Salut à tous les amis, c'est Friponton, je suis le petit démon. Et mon maître m'a créé pour faire un live sur sa chaîne. En effet, regardez, c'est moi. Je suis magnifiquement bien créé. J'ai été créé sur Photoshop et j'ai été animé ensuite pour que je sois assez bien fourni. Mais j'ai une base de connaissances comme le maître. D'ailleurs, j'ai un peu tous ses souvenirs et sa mémoire en moi. Cependant, j'ai laissé le chat du maître choisir ce que j'allais faire. Et ils ont décidé de me laisser faire Cult of the Lamb. Désolé s'il y a ma voix qui est un peu étrange et que mes expressions sont bizarres. N'hésitez pas à venir sur la chaîne du maître et à vous abonner. Mettez un pouce bleu aussi. Nous allons jouer à Cult of the Lamb et nous allons refaire une nouvelle partie pour vous. En mode quoi? En mode difficile, c'est très difficile, non? On va faire le mode recommandé. Parce que je ne sais pas très bien jouer. J'ai passé l'introduction parce que j'ai déjà joué au jeu. Pour ceux qui ne savent pas, je ne sais pas s'il y a des VOD de ce jeu sur la chaîne du maître. En tout cas, n'hésitez pas à utiliser l'extension. D'accord? Alors, normalement, au début, il faut couper du bois. Oh, waouh! N'hésitez pas à utiliser les extensions Twitch aussi. Ceux qui sont sur le live. C'est bien utile, je peux vous l'avouer. Hein. Alors, waouh! Merci pour le raid, Sundayz13. Hihiho! Bonsoir à tous, je m'appelle Friponton et je suis le petit démon. Et je travaille pour le maître Baban. Maître Baban n'est pas là par contre. Eh oui, mais je ne passe pas tout le temps. J'espère que vous allez bien. Ma voix est dégueulasse. Eh. Et mon visage, il est pas ouf non plus. Je joue à Cult of the Lamb. Comment ça va? Qu'est-ce que vous faisiez? Monsieur Yanou, pouvez-vous faire un SO? Ouf. Hello, et pas de soucis. Merci bien, merci bien. Que faisiez-vous? Et comment allez-vous? Alors attention à savoir, je sais que le maître est en train de m'utiliser comme un VTuber, mais je ne suis pas là tout le temps. Donc généralement, le maître, lui, c'est une vraie personne physique avec une caméra normale, voilà. C'est pour ça que si vous allez sur la chaîne et que vous regardez dans les rediffusions, vous verrez le vrai visage du maître. Eh oui. Oh, j'adore ramasser du bois. Oh, waouh! Alors, mon cher Sundayz, tu étais sur Cult of the Lamb aussi. C'est vrai? Tu en es où? Tu en es loin, à mon avis. Mais là, je refais une partie. J'ai déjà fait une partie où j'ai fini le jeu. Je refais une partie. Pour que le maître soit content. Du Cult of the Lamb aussi. J'ai bien aimé ton petit démon avatar. Mon petit démon avatar? Mais non, c'est moi. Je suis la création du maître. Mais merci bien. Après la 3... Eh bien, le maître a déjà fini le jeu. Une fois, il avait essayé de faire du hardcore et c'est impossible. Et en fait, le maître a essayé de faire du hardcore en mode difficile. Donc vraiment, c'est impossible. Et là, comme il y a eu des mises à jour, je teste le jeu. Waouh! Oh, cet arbre a l'air très compliqué à couper. Je vais surtout aller construire. Mais ce jeu, c'est un banger, comme disent les jeunes, là. C'est un banger. Le Prélat 3, je ne sais plus c'est lequel. Je sais qu'il y a le poulpe, l'araignée, le gars avec 5 bras, là. Et c'est qui le premier? Je sais plus. La grenouille? Peut-être. En tout cas, merci pour le raid. C'est franchement sympa. Je pense que toutes les personnes qui ont joué à ce jeu pensent que c'est un banger. Parce que c'est un banger. Le plus difficile dans ce jeu, c'est de... pouvoir placer ces structures parce que à un moment quand t'arrives dans le jeu tu sais pas où mettre tes objets parce qu'il y a plus de place, ça devient un peu trop petit. Ah oui d'accord, bon bah courage à toi alors, je vais aller manger moi. D'accord, bon appétit et merci encore pour le raid. Waouh, dinguerie.
Sundeads, OTP. Bienvenue dans les abysses. Je suis aussi... Attends, j'ai pas vu la fin. Je suis en train de lire le début du message. Ça doit quand même faire peur. Ma voix doit faire peur carrément. Vous voulez que je change de voix, je le fais. Hein. Elle doit surtout vous casser les oreilles, je crois. Mais vous savez ce qu'on dit ? Quand on prend une apparence mignonne avec une voix mignonne, ça fait du watch time ! Ça fait du watch time ! Vive le watch time ! Ouais. Bon, regardez ! Les pages du DLC ! Oh, il y a beaucoup de choses ! Comment ? Ah, j'ai oublié, je suis un idiot ! Laissez-moi me connecter. Fréquence de aider ou entraver. Configuration de l'intégration. Oh, mon écran a disparu. C'est normal. Voilà. Connexion. Oh, mon écran a encore disparu. Connect to my game, connecting to the my game. Oh, yo, you're connected to the cult of the lamb game successfulis. Waouh! Je crois que vous allez souffrir. Voilà, normalement c'est bon. J'espère que ça marche. Le problème en fait, c'est que comme je recommence une game, ça sert pas à grand chose l'intégration. Donc on va essayer d'aller très vite pour que le jeu soit cool, d'accord? Et on va récupérer un petit con. J'ai pas l'extension du totem dans les points de chaîne. Ah merde! J'ai oublié ça aussi. Ah ben le problème c'est que j'avais pas prévu d'y jouer à ton jeu. Donc ouais... Attends, laisse-moi faire ça. Business class. Drip de bouffon. Sondage de zinzin. @ Je crois qu'il faut réactualiser. Ça va être très compliqué à faire ça maintenant. Putain. Ça va être très très compliqué de faire ça maintenant. Fallait vraiment que je fasse ça maintenant. Je suis tellement con. Par contre, il n'y a pas d'option là. En fait, je vous explique qu'il n'y a pas d'option. C'est un peu foireux là, ce qui se passe. Je peux pas le faire maintenant. Bugué. Ok. Attendez. Tout est bugué. Voilà. Ouais, non, ça marche pas, je crois. Ou alors ça coûte trop cher, mais là ils disent que le live du maître est buggé. Il y a des problèmes avec le live du maître. Je ne sais pas si c'est vrai. De toute façon, que ça marche ou pas, je pense que je ne peux pas le faire parce que je suis en train de parler à un petit bonhomme dans le jeu. D'accord ? Donc attendez. On est au début. Ça va être très compliqué de faire ça maintenant. Je vous laisse choisir. L'extension doit fonctionner normalement. Je ne sais pas si elle fonctionne sur le téléphone. Je crois que ça marche. Je ne sais pas. Ou alors il faut réactualiser. Peut-être qu'ils ont fait une mise à jour. Hein. Non. J'ai soif. Si ça ne marche pas... C'est parce que vous êtes sur téléphone. Let's go. C'est parce que vous avez pas fait... vous avez pas refait la mise à jour. Enfin, vous avez pas actualisé. Appuyez sur F5. Et pourquoi j'ai mis l'extension si personne l'utilise? Ça sert à rien. Surtout pour ça que je l'ai fait, en fait. Vous êtes cons. Wow. C'est ce que le maître aurait dit. Eh oui. Parce qu'il le sait. C'est que PC, il me semble. Eh ben, ça pue sa mère. Merci à tous. C'est normal, parce que Twitch sur téléphone, c'est nul.
Je sais. C'est comme si vous mangiez des frites, sauf que vous avez mis la patate entièrement dans la friteuse. Eh oui. Les frites, on les découpe avant. Ah. Dommage. Je vais devoir le faire moi-même. Piou. Alors. Comment vais-je l'appeler ? Attendez, maître. Attendez. Le maître a raison. Il y a quelque chose à faire. Je pense que j'ai une idée. Voilà, c'est le maître dans le jeu. Créez votre adepte. Le maître veut créer un... Le maître veut créer un adepte. Il va créer un saint. Le maître est un singe. Oui. Le maître est un singe rouge. Le maître ressemble à un singe. Voilà. Fuck. Voilà la créature du maître. Incroyable. Alors le maître, il perd de la foi et il gagne de la foi. C'est bizarre, non? Oh, je vais aller récupérer des cailloux. Regardez, il s'appelle Baban VR. C'est mon maître. Mon maître a créé son personnage dans le jeu. Vous avez vu? Incroyable, hein? Que c'est? Que se passe-t-il? Pourquoi ça fait des bruits bizarres? Ah, parce qu'il n'y a pas de lit. Ah non. Mais je ne peux pas en faire, je crois. Je peux créer le totem, mais je dois surtout aller dans les cavernes démoniaques. Je vais aller me battre, d'accord? Venez, on va aller se battre. Regardez, je peux déjà aller en haut. Je vais aller voir ce qu'il se passe en haut. Oh, c'est quoi ça? Parchemin. Le rat! Non, pourquoi le maître n'est pas un rat? Ce n'est pas vrai. Oh, c'est râteau! J'ai découvert mon humble bicop. Prends garde à ne pas commettre les mêmes erreurs que moi. Tu finiras dans un endroit comme celui-ci. Ça te dit une petite partie de slay? Tu ne sais pas comment jouer, ne t'inquiète pas, c'est très simple. Approche-toi de la table et je t'expliquerai. Non! Cadeau! Ah, je vais faire des osselets, hein. Moi, je vais le fumer, regardez. J'ai tout appris du maître, donc je sais forcément jouer au jeu. Vous allez voir. Ça va être extrêmement simple. Râteau, tu es fini. Le petit démon t'aura fake. T'aura fuck. Je m'appelle Friponton. Je suis imbattable au jeu de hasard. Ah! Il m'a bien eu. Malédiction. Oh, il est bête. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi il est bête? Parce qu'il a pas enchaîné les 5. Ah, il est intelligent. Je crois que je suis dans la merde. Je ne sais pas si je peux encore poser beaucoup de dés, mais ça va être très compliqué, là. Je sais ce que je dois faire. Oh, j'ai pas de chance. C'est un truc de fou. Oh. Ok. J'ai une stratégie. J'espère qu'elle va marcher, sinon c'est fini pour moi. Vas-y. C'est fini pour toi, râteau. Non, râteau, pourquoi? Râteau! Allez! Oh, râteau, tu es nul. Vous avez vu comment râteau est nul? Il est vraiment très nul, râteau. Oh là là, qu'est-ce qu'il est nul, râteau. Regardez. Je suis imbattable. Vous savez pourquoi? Car je suis le maître incontesté des jeux. Oh, râteau, je te bats maintenant. Je suis immortel. C'est fini pour toi, râteau. Oui! Par le dieu captif tout-puissant, tu as un don. Tiens, tu as gagné une récompense. Oh mon dieu! Une carte!
du tarot pour avoir un cœur. Ah mon dieu, c'est bien ça, regardez, on en a déjà plein. Combien de cartes il y a? Je crois qu'il y a beaucoup plus qu'avant, il y en a 43. Avant, il n'y en avait que 35, non? Est-ce que c'est ça? Maintenant que tu as goûté au jeu le plus addictif de ce bas monde, il est temps de parier quelques pièces. Je n'ai pas d'argent, je vais aller devoir me battre après. Donc mon cher ami... Oh, déjà je vais ramasser des billes. Avant de jouer et de parier mon argent, je vais aller en récupérer. D'accord les gars? Par contre pour les points, ça sert pas à grand chose, vous en faites pas parce que le totem je l'ai pas encore fait. Après. Tiens, te remercie en me libérant de mes fonctions, tu m'as offert ce que je désirais le plus, la tranquillité d'esprit. J'ai appris tout ce que je savais. Je vais donc pouvoir passer mes journées à jouer au soleil. Maintenant, je suis à la retraite. Je vais pouvoir en profiter. J'ai justement invité quelques amis à jouer. Ce sont de sacrés personnages pour sûr. Oh, du caca magique. Waouh! Caca magique! Et le chat, vous aimez le caca? Sur combien vous notez le caca? J'aime bien moi ça, j'aime beaucoup. Caca magique. On va essayer de construire... Ah, je peux pas? Mais oui, je suis bête. Il faut qu'on récupère de l'argent. Parce que sinon, mes bonhommes vont mourir. Vite, allons-y. Oh, regardez! Les quatre portes. Et ceci? Ici, le sang des dieux a été versé. Ici, la mort a perdu patience. Moi aussi, j'ai perdu patience. Attention! Tcha! Comment on tape? En fait, je sais plus comment jouer, donc j'ai peur que je me rate. Ça, c'est la grande porte du boss ultime démoniaque. Qui reviendra deux fois. Ça, c'est la porte normale. Oh! Ah ah, cringe. Après, hein, attendez, je vais m'en profiter. Je vais le faire maintenant, d'accord? Si vous me permettez. Comme ça, vous allez être content. Je crois que je peux pas trop chipoter, en fait. Paramétrer cette extension. Pourquoi ça marche pas? Hein? Je peux pas les rajouter. Les points de chaîne. D'accord. Et c'est vrai en plus, hein. Je peux pas. C'est un bug. Peut-être. C'est pas grave, on va aller se battre. D'accord? Ici, on va montrer que les créatures du maître sont fortes. Qu'une aberration en vaut 10 000. Attention! Je suis dangereux. Qu'est-ce que je vais choisir du coup? Comment on se bat? On va prendre ça, hein. La hache. Je suis pas très fan des haches. Le tir de feu. Et ceci, c'est quoi? Arrivé sur les terres du prélat Léchi, ceux qui se détournent de la vieille croyance seront anéantis. Oh non! Je ne veux pas être anéanti. Le maître serait triste. Ya! Maudit! Maudite tablette! Ici, seule la loi des aberrants existe. Vous aussi, dans le chat, devenez des aberrants! C'est la seule forme de vérité dans ce monde. C'est bien trop facile, là. Le maître a l'habitude. Vous avez vu? Vous avez vu la puissance que le maître m'a donnée? Je suis immortel! Je vais récupérer tout ce qu'il y a sur cet emplacement. Regardez tout ce qu'on a déjà. Voilà. On va aller donner le cadeau plus tard au maître. Carte de tarot, effet de relique. Adepte. Quête. Je n'ai pas de quête pour l'instant. Peut-être que c'est parce que je dois construire la statue. Ah! Ils m'ont eu! Qu'est-ce qui se passe? Non! Ça fait des bruits bizarres. Oh mon dieu!
Une invocation aberrante. Comment est-ce possible? Agneau, toi et toute ton espèce avaient été sacrifiés, et pourtant tu te tiens là devant moi. Quelle arrogance insupportable! Cette couronne, ce pouvoir, oh non! Mais je suis plus fort que toi, minable agneau. Pars, tant qu'il est encore temps. Oh non! Non! Qu'est-ce que je dois faire, les amis? Regardez, il y a deux chemins. Je prends quel chemin? On va devoir faire tous les chemins, mais je ne sais pas quel chemin prendre. Je vais prendre le chemin de haut. Oh mon dieu! Des sauves-chouris! Des fausses chouris! Chla! Inutile. Ce n'est pas des chauves-souris qui vont battre. Une aberration. Regardez, les tentacules de Toura. C'est des tentacules. C'est une relique, regardez. En bas à gauche de l'écran. Je peux l'activer avec une touche. Incroyable. Ce n'est pas le bon endroit. S'il y a un chemin, c'est que je dois aller là. Pour avoir quelque chose. Oh, des cartes. Oh oui. Oh oui, s'il vous plaît. C'est les cartes de Clonec. À vous de choisir, le chat. Permet de gagner deux fois plus de ferveur en tuant un ennemi ou un cœur bleu. Le cœur bleu, si je le perds, disparaît. Je pense que je vais prendre le cœur bleu. Non, je vais prendre ça. Parce que le cœur bleu, c'est nul. Parce qu'il est bleu. Moi, je suis là pour détruire le monde. C'est ainsi. Oh, vous avez vu? Non! Tentacule! Attaque! Attaque, tentacule! Waouh! Elle est tellement forte, la tentacule! Elle a tué tout le monde! Vous avez vu? Oh, wow, wow! J'ai cru qu'elle allait m'attaquer. Elle se retourne contre son maître. C'est pas bien. Oh, let's go, regardez. Un écureuil. C'est chouette. Oh, c'est une petite route, ça va. Facile. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le monsieur bizarre. Non, non, mes adeptes, les adeptes de Kemak. Tu t'attaques aux adeptes de Kemak? Oui. Petit dieu, ne provoque pas le courroux de la toute-puissance de Kemak. Non, non, mes adeptes. Je m'en fous. J'attaque tout le monde. Merci pour la nourriture de Kemak. Gelé tous les ennemis présents. Allez, c'est parti. Adieu, fils des chiens. C'est l'heure de faire le boss déjà. Et je vous annonce, je vais le détruire. Un boss de ce niveau n'est pas comparable à une créature du maître. C'est impossible que je meure. Et oui, je sais, car je suis fort. Regardez la puissance! La puissance! Je suis immortel! C'est un truc de fou. Waouh! J'aime beaucoup récupérer tout ce qu'il y a sur mon chemin, comme le maître. J'aime pas laisser les choses derrière moi. Des ressources importantes qui pourraient m'aider à l'avenir, même si c'est peut-être la seule fois où je vais jouer au jeu. Rejouer au jeu, c'est long. Le maître a quand même 60 heures de jeu, hein. Qui est beaucoup. D'accord, alors je pense que je vais aller là en bas, c'est la fin. Là ça va. Et là il y a Clonec. Clonec, il est de retour. Attends Clonec, je récupère des feuilles pour pouvoir donner à manger à mes clients. Attaque tout ce qui se trouve à l'écran lorsque vous subissez des dégâts. Un fils de dégâts de poison. Le poison, c'est bien.
Normalement, toutes les 20 minutes, il y a un événement qui peut se lancer. Donc j'espère que ça va se lancer. Jour au... C'est facile. C'était trop facile. Le maître a l'habitude. Il m'a donné tous ses réflexes. Petite information, demain le maître va faire de la VR. D'accord ? Oh ! Oh ! L'épée de la mort. Il va sûrement jouer à des jeux intéressants. Il y a des nouveautés en VR, et ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué. Je pense. Oui. Oui. Enfin, pas pour ceux qui regardent les rediffusions. Mais voilà, vous avez compris. Le boss. Oh, que se passe-t-il ? Yeah ! Oh ! C'est les chi ! Ton aventure s'arrête là, jeune agneau. Mes adeptes sont prêts à tout pour me satisfaire. Peux-tu en dire autant des tiens ? Je me sacrifierai pour votre cause, un puissant guide ! Par le sang des êtres supérieurs, détruis la couronne rouge ! Hamduziase. Facile. Ignoble. Stupide. Hamduzias. Facile. Hamduzias. Je l'ai eu. Sans me prendre un dégât. Vous avez vu ? Le pouvoir. Le pouvoir des aberrations est trop fort. Je vous en prie, ayez pitié. Laissez-moi rejoindre votre culte. Je suivrai finalement tous vos enseignements. Rejoins-moi ! Trou de balle. Voilà. Voilà, vous avez vu ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je prends... de l'or ? Oh, j'ai eu une tablette, regardez. La tablette, c'est pour avoir des lois. Je mange des pâtes au beurre. J'en mange maintenant. Je ne mange jamais de pâtes au beurre. Parce que je n'en ai pas besoin. Oui, oui. Telle est ma réalité. Je vais retourner à la base. On ne peut pas faire autre chose. Et c'est le troisième jour. Peut-être qu'il est mort, mon enfant. Baban. Regardez. Oh là là. Aucun dégât de boss. Plus 20%. C'est tellement bien ça. Oh, je dois parler à mon créateur, soi-disant, celui qui attend. Excellent, je ne me suis pas trompé en t'épargnant et en te désignant couronne porte. Je surveillerai chacun de tes mouvements. Ne me déçois pas. Ok. Ça va, hein ? Oh non ! Qu'est-ce qui se passe ? Vous allez me détruire ! Je dois faire à manger. Oh ! C'est tellement dur. C'est quoi le destin ? La foi a augmenté. Merci le chat Twitch ! Merci, vous m'avez bien aidé. Je dois parler à Baban VR. Honorable guide, votre culte grandit de jour en jour, il est temps de lui donner un nom. Oh ! Oh ! Waouh ! Comment on l'appelle ? Secte du fripon. C'est mon nom. Je vais mettre mon nom dans la secte, peut-être. Ah, le culte. Il faudrait trouver un autre mot. Non.
ça ira comme ça. La secte du fripon. Ça sonne bien. Voilà. Je vais te donner un cadeau, mon cher. Oh, un muffin. Oh, oh. Je te bénis. Oh, regardez. Il brille. Comme un papillon. J'ai plein d'énergie, hein. J'ai une tablette du chocolat noisette. C'est un truc de fou. Je vais construire la statue de Jésus-Christ. Allons-y. Tink, tank, tink, tank, tink, tank, tink, tank, tink. Waouh! Oh, c'est quoi ça? Je dois débloquer le temple. Il permet de développer le culte. Oh! Est-ce que je peux prendre ça? J'ai encore un point, je vais prendre les lits. Parce que les lits, c'est important pour avancer dans le jeu. Voilà, je n'ai plus de points. Cependant, je peux construire des choses. Ça, il me faut du bois. Et ça, il me faut... Qu'est-ce que... Il me faut quoi? Pourquoi je ne peux pas faire de lit? C'est bizarre, non? Ok. Maintenant, je vais tester les paramètres. On va voir si ça marche. Mais je pense qu'il y a un petit problème à partir de ça. Dommage que ce soit instable. C'est bizarre, non? Non. Alors... Viens avec le jeu. Générateur de nom... non, il n'y a pas de pro, il n'y a rien en fait. Je peux rien faire, je crois. C'est cassé. Ok, pourquoi c'est cassé? Attendez, je vais réinstaller l'extension. Il y a peut-être un problème. Voilà. Et je vais faire ça. Voilà. Connect. Voilà. Je vais la désinstaller. Je vais l'installer. Je vais l'activer. Je vais la configurer. Je ne peux pas. Ouais, c'est cassé, hein. Ok, tant pis. Ça marche pas. Ouf. Alors... Pourquoi ça a aidé? Nouveau? Ah, c'est quoi ça? Grâce à la nouvelle extension, vos spectateurs pourront maintenant voir tous les adeptes. Laissez-les choisir quel adepte devrait se sacrifier, se battre ou bien se marier. Nouvelle intégration Twitch est disponible sur mobile. Les spectateurs pourront maintenant interagir avec celle-ci depuis un téléphone. Ouais. Plus les fonctionnalités existantes, les spectateurs peuvent maintenant habiller les adeptes et choisir de nouvelles aides. Eh ben, c'est des conneries! Parce qu'il est sur téléphone! Bande d'idiots! J'ai juste pas actualisé ton live, idiot! Alors! Ça, on peut pas le faire. On doit construire notre caca. Il est où mon ami là? Il est où mon singe? C'est là le singe!
J'ai en train de regarder ce qu'il fait, mais je crois qu'il ramasse... Il ramasse comment on dit? Il ramasse de la pierre. Regarde, c'est du caca. Vous voyez du caca, vous? Merci pour le follow, Théo 54-54-10. Bienvenue. Comment vas-tu? Et donc, oui, l'extension, elle marche sur téléphone. Mais les points de chaîne ne marchent pas. Bizarrement. Beau faire tout ce que je veux, ça ne marche pas. Je m'appelle Friponton. Et je suis un petit démon. J'espère que tu vas bien. J'ai une gueule dégueulasse et une voix dégueulasse. Mais j'aime ma gueule et ma voix. Et le plus important, c'est de s'aimer soi-même. Miaou. Oh non, j'ai encore fait le chat. Regardez. Oh, ça a l'air bien. Ça, c'est pour faire caca aussi. Très intéressant. Il me faut plus de bois. Et après, je pourrais faire des lits. Je pense que j'ai assez de bois. Donc maintenant, je peux faire le temple. Mais où vais-je mettre le temple? La question. Quelle est la question? C'est que le temple prend beaucoup de place. En effet. De ce fait, je vais le mettre là. D'après ma base de données. La 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 la. La 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 la. Voilà. Est-ce que je peux faire mon lit? Oui. C'est bien ça. Et... Où est-ce que je mets mes lits? Oh. J'ai cru que je pouvais en faire plus. J'ai pas assez de bois. Je vais faire deux lits. Comme ça, je pourrai ramener un autre bonhomme. Dans mon clan. Quoi que je peux en faire? Non, j'ai pas assez de bois. Non! Quel enfer! On récolte, on récolte. Ya! Qu'est-ce qu'il fait, Boban Vier? Trop de balles. Oh, du caca! Oh, dégueulasse. C'est parti. Voilà. Oh, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Toi, petit trou de balle, rejoins ma guilde. Bam. Rejoignez ou je vous bute. Vous voulez que je vous bute? Un participant seulement. Ça marche pas sur téléphone. J'ai dit ça, mais je sais pas. Attendez. J'ai ma corne qui me gratte. Ah, mes mains sont virtuelles. Ne vous en faites pas. C'est Théo. Hey, c'était sûr. C'était sûr, c'est un connaisseur, il connaît. Il connaît le jeu, c'est sûr. Mais mon maître a déjà fini le jeu une fois. C'est vrai en plus. Et c'était il y a... Quand il est sorti, le jeu quand il est sorti, il l'a déjà fait. Tout, tout. Pipipa. Pipipo. Pipipipa. Pipo. Voilà, bienvenue. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu as peur de la mort, tu gagnes de la foi lorsqu'il y a des meilleures maisons, et tu gagnes de la foi en tombant malade. Eh bien, tu vas tomber malade, mon ami. Let's go. Et tu vas travailler. Il y en a un qui va chercher du bois et l'autre qui va chercher de la pierre. Et moi, je vais juste vous donner à manger. Avec, bébé. Yeah! Yeah! Parfait, ça! Ça, s'ils ont faim, ils peuvent venir ici. Et on va rentrer dans la maison. La grande maison magique. C'est l'heure de prier, mes amis!
Oh, qu'est-ce que c'est ça? Octroi, demi-cœur. Oh! Incroyable. Je gagne de la vie! Vous gagnez de l'esprit. Je pense que les couronnes, ça va être très compliqué pour l'instant. Ça va coûter très cher. On n'est pas au bout de nos surprises. Bougez, bande de shekels! C'est parti! Un autre lit. Oh, oh, il se passe quoi? Il y a un petit problème avec les directions. Oh. Ça va, c'est bon. Pour le prochain, j'ai fait déjà un lit. Ça, on devrait le casser, mais ça a l'air très dur. Peut-être qu'on devrait le faire à plusieurs. Non, ça a l'air trop dur. Je vais me faire les petits bois. Je reviendrai plus tard. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est... aller dans le donjon. Oh, oh, oh. N'hésitez pas à répondre au sondage. Il y a parfois des sondages. Vous pouvez m'aider ou me détruire. Il fait Johnny. Oh, c'est quoi ce bruit? La musique, elle a disparu. La 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 lila. La lila. La 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 la. La lila la. La lila lila. La 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 la. Oh, merci pour le coffre. C'est l'heure. Je vais regarder si je peux faire quelque chose ici. Je pense qu'on peut pas. On pourrait parier nos trois pièces. Mais ça sert à rien, c'est une perte de temps. Il vaut mieux aller dans le donjon. C'est la deuxième fois que je vais dans le donjon. Mais je refais le jeu, donc normal. Eh oui. Oh, quel est ce bruit? Invocation. Oh non, le marteau. J'aime pas le marteau. Il est lent. Ça, c'est quoi? C'est une grosse tache de caca. Oh non, ça va être horrible. Oh là 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 là. Si je gagne ici, avec le marteau, c'est monstrueux. Et du coup, vous connaissez le jeu dans le chat? Enfin, toi, Théo, tu connais? Forcément, non? Je sais pas. Yanou, il connaît, parce que c'est mon modo et j'ai déjà joué. Ah, c'est mon modo. C'est le modo du maître! Ah J'essaie de maîtriser mes mouvements du visage, c'est compliqué. Oui, tu connais. Ah, mais en même temps, qui ne connaît pas le jeu? Certes, ce n'est pas Roblox ou Minecraft, mais c'est quand même un des meilleurs jeux du genre. Avec une esthétique admirable, telle tous les jeux édités par Devolver. Et Devolver, ils savent faire des bons jeux. Enfin, ils savent éditer des bons jeux. Parce que c'est pas eux qui ont fait le jeu, mais ouais. Ceux qui ont fait le jeu, c'était Monster Machin. Monster, comment il s'appelait? Ouais, j'ai pas l'option. Monster mes couilles. Oh, peut-être. Oh non! Mais il n'y a que ça, en fait. Je dois affronter un monstre par pièce. C'est facile. Saviez-vous qu'il faut tout casser dès le début du jeu pour avoir plein de ressources? Eh oui. Et d'ailleurs, on a cloné avec ici. Sachant que le maître a déjà joué en hardcore, ça devrait être facile avec ce mode-là. Alors, les maléfices consomment 25% de moins de ferveur ou attaquent tout ce qui se trouve lorsque vous subissez des dégâts. Je vais prendre ça. Parce que j'ai beaucoup de cœur et si jamais je prends des dégâts, ben, ça va faire mal. Enfin, ça donne un seul cœur, donc ça va. C'est un peu de la merde. Au début, les cartes, elles servent pas à grand-chose. Oh, je l'avais oublié, lui. Oh, j'ai eu un cœur, comment ça se fait? Mais il est mort! Léchi! Tu choisis de t'entêter bêtement, jeune agneau! Quelle imprudence! Je lis dans tes mensonges et je sens ta peur! La couronne rouge s'est éveillée à nouveau. Mais quelle créature indigne d'un tel pouvoir! Oui? Y'a quoi? Non!
Oh, 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 oh. Ya. 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 Oh, 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 j'arrive pas à toucher. Je dois utiliser mon pouvoir cosmique. Cosmic Power. C'est comme ça que ça marche. Meurs. Non, c'est pas possible, ça. J'ai mal! J'ai mal! C'est tellement dur d'utiliser une arme comme ça. T'es abusé. Oh là là. J'arrive pas à utiliser le corps. Non! Tout le monde déteste le marteau, ça je peux vous le dire. Le marteau, quel enfer. Non! Oh, je vais en faire des TikTok après, hein. Wouh! Salut, Oscaro! Je te connais peut-être pas, mais d'après les mémoires de mon maître, je te connais. Salut, Streamrunner! Je suis Friponton, le petit démon. Et j'espère que vous allez bien. Hihihi. Je joue à Cult of the Lamb. C'est un jeu très connu pour sa qualité. Pour sa difficulté, certes, non, pas tellement. Oh, le cube. Le dé, c'est pas un cube, c'est un dé. C'est le dé dans Jujutsu Kaisen. Vous avez vu? C'est le dé avec les yeux. 50% de chance de soigner un cœur, 50% de chance d'en s'octroyer. Oh, mais je le fais maintenant. Nul. Oh, le nul. Oui, j'ai changé de pseudo, c'est Oscar Olala. Ah oui, le maître te connaît, mais moi je ne te connais pas, vraiment. Parce qu'on n'a pas encore discuté. Eh oui, je sais que tu t'appelles Oscar Olala avant. J'ai lu dans la mémoire du maître. Maître Baban. 10% de chance de bloquer les dégâts reçus. Bien reçu. Ah! C'est bien! Attendez, je renifle. Sniffa! Sniffa! C'est parti. Oh! Waouh! Il y a des chemins étranges partout. Je crois que je vais choisir le chemin qui mène à la vérité. Re, Théo, t'inquiète. Re. Oh non, il y a un... Vous devez choisir mon destin. S'il vous plaît, soyez généreux. Non, je le dirai au maître. Il ne sera pas content. Non, mais ça, c'est pas un problème. Il y a plein de cœurs ici. Je peux choisir la tablette de chocolat, l'apparence, le plan, ou... Ah non, j'ai pas d'argent. Oh merde. S'il vous plaît, aidez-moi. Oui! Oui! Ah, c'est quoi ça? De la merde. Merci, merci pour la merde. Alors, vie, tablette de chocolat. 100%. En fait, au début du jeu, il vaut mieux prendre des tablettes. Après, on verra. Oh, regardez tout ce qu'il y a là. Un petit cadeau. Et là, un autre petit cadeau. D'accord. Ça, je peux pas l'acheter. Oh là là, je suis triste. Mon cadeau. Alors, les enfants, si tu vas bien, Oscar Olala, tant mieux, Oscar Olala. Oscar tout court. Sacrifie un cœur rouge pour gagner un cœur corrompu. Oh merde. J'avais pas compris. Du coup, là, j'ai perdu un cœur. Dès le début. C'est chaud. Ça va le faire. Voilà, donne-moi tes âmes. C'est parti. Le but, c'est que je ramène quand même quelqu'un dans ma base, là. Pour pouvoir avoir un adepte pour prier. Et ce sera peut-être vous, grâce à l'extension. Si vous voulez rejoindre mon culte, n'hésitez pas. Avec l'extension, quand je retournerai dans mon camp. D'abord, il faut que je finisse le donjon. Eh oui, eh oui.
Demain, Maître Baban va faire de la VR. Sûrement. Moi, je vais prendre des vacances. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu un bruit bizarre. C'était quoi ce bruit? C'était bizarre, non? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller en haut? Je dois aller où? Ah, ici. Vous allez bien, le chat? Est-ce que vous me trouvez kawaii? Mettez une note sur 10. Alors, multiplie les dégâts. Oh oui. Ça, c'est bien. Danger, danger. Je perçois un danger. Reviens. Chenille. La chenille. Voilà. Alors. On descend. Oh mon dieu. Savez-vous pourquoi le maître m'a créé? Oh mon dieu! Non, non, non! Le maître m'a créé pour tester ma présence sur ses streams. C'est une source de watch time. Et c'est pour ça qu'il m'a donné cette apparence. Mais c'est aussi parce que c'est sa création. Et qu'il est habitué à créer avec ce style-là. Et oui. Et watch time. Triple kill. Aïe. 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 Non. Non. Meurs. Ha ha ha. Tu penses faire face? Triponton va te détruire le fion. Triponton est trop fort. Oui. Triponton maîtrise les armes. Oh, une nouvelle arme pour Triponton. La dague. Oui, la dague, c'est bien. Je n'aime pas le marteau. Je sais pas, vous aimez le marteau, vous? Oh, ça fait tellement du bien. C'est le boss. Quelle heure il est? Oh, il est 15h, ça va. Ya, ya. Oh oui, inspiration gratuite. La dague est l'arme qui fait le moins de dégâts. Mais c'est exceptionnel. Oh non, pas ça. Normalement, je fais plus de dégâts en plus, mais grâce à mon bonus de mes cartes. La mort. La mort. C'est moi la mort. Vous avez vu, l'eau a disparu. La rivière s'est asséchée. C'est sûrement grâce aux esprits. Gah. Oh. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-moi toute cette viande! Je vais donner à manger à des araignées. Enfin, je vais vous donner à manger. Vous allez manger des araignées ce soir. Let's go! Ils sont bien trop faciles à battre. J'ai récupéré les compétences du maître, c'est normal. C'est normal, n'est-ce pas? Alors... À droite, il y a Clonec. Clonec, c'est un giga-chat. Oh, détruire le feu. Merci pour le barbecue, Clonec.
qu'est-ce qu'on a ici? 10% de chance d'infliger un coup critique. Lorsqu'il ne vous reste plus qu'un demi-cœur, tous les ennemis reçoivent 2 dégâts. Ça, parce que de toute façon, j'ai beaucoup trop de vie. Regardez ma barre de vie! Waouh! Elle est énorme! Oh, qu'est-ce qui se passait? Ah, c'est quand je fais du critique! Oh, je suis monstrueux! Non, mon caca! Pourquoi mon caca? Je ne sais pas. Ya! 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 Regardez! C'est une nouvelle arme! C'est le fusil! OMG! Oh! Waouh! Oh! Waouh! J'aime bien. Va les phares! Oh non! C'est quoi, va les phares? C'est quoi? Attention, va les phares! Non! J'arrive pas, les gars. Sûr. Oh, je fais pas beaucoup de dégâts, hein. Oh là là! Non! Je vais utiliser mon ulti. Infection! Oh, il a mal, hein! Vous avez vu? Raté. Oh, quel fou. Je suis complètement fou. Saute, va les phares. Les gars, il est dur, hein. Il a beaucoup de vie. Meurs. Il va trop vite. Non! Je voulais mon parfait! Sale chien! Non! Mon parfait, sale chien! Non! Waouh, ma bouche est un peu buggée. Oh waouh, dinguerie! Le premier boss, je crois. Le deuxième! C'est le deuxième! Salut, hibou de minuit! Je crois que le maître t'appelle Mamel. Non? J'espère que tu vas bien. Le maître m'a engagé pour ce jour. Et m'a ramené du monde des aberrations. Afin de streaming. Ouais, je t'ai changé ta tête, ça se passe comment? Je ne suis pas le maître, le maître n'est pas là. Le maître me surveille, mais il n'est pas là. Je suis une IA, et j'ai été créée sur Photoshop par le maître. Et j'ai intégré son VTuber, on peut dire ça comme ça. C'est pour ça que j'ai cette apparence. Je suis en réalité une création du maître. Mais j'espère que tu vas bien. Je pense qu'un collier, c'est bien. La beauté dans les yeux permet à un adepte de récolter des ressources. C'est facile. Allez, deuxième porte. On rentre chez la maison. Oh là là, j'ai pris un dégât. Je suis triste. Oh là là. Oh, c'est le chat. Miaou. Miaou.
Ne commets pas l'erreur de devenir l'esclave de tes adeptes. C'est toi qui dois servir. Manipule-les comme bon te semble. Utilise leur foi sans compter. Comme tu dépenserais de l'or, tu pourras toujours regagner leur confiance plus tard, en feignant la bienveillance. Nourris-toi de leur crédulité et autorise-toi à commettre des actes impardonnables. Soumets-les à ta volonté. Je t'accorde de pouvoir de lire leurs pensées futiles et insignifiantes. Je peux lire dans les pensées. Waouh ! J'en ai rien à foutre. Waouh ! Oh ! Tu montres ton vrai visage, ta vraie apparence, MDR. De qui tu parles ? Oh, n'hésitez pas à voter le destin. Je suis une production mentale et spirituelle du maître. Le maître Baban. Je m'appelle Friponton et je suis le petit démon. Tu ne me connais sûrement pas. Parce que le maître cache ses aberrations, il en a beaucoup trop aussi. Oh, c'est l'heure. Oh, se passe-t-il? On va faire des chants. Waouh! J'adore les chants. Ça fait de l'herbe. Qu'est-ce que j'ai fait? Et ouais, gagné un niveau. Bravo! Burke, cet endroit est dégoûtant. Si vous ne faites pas le ménage, vous allez tomber malade. C'est ton problème, fils de pute! Attends. Ah, ici. Normal, il fait caca, lui. What? J'ai amélioré ma brosse. Ma brosse à merde a évolué. Comment ça se fait? Ma brosse à merde a évolué. Waouh. Eh oui. Eh oui. Antoni, arigato. Gozaimasu. Yamete kudasai. Eh oui. Ichini-san, kawaii. Ichini-san, kawaii. Arigato gozaimasu. Chat sapa. Onteni arigato. Oh, gomenasai. Oh. Théo, tu as évolué. Bravo Théo, big boss. Théo, il est toujours en train de couper du bois. Oh les cons. Je vais lui donner le collier de la nature. Comment on vote? Bah je ne sais pas moi hein. On dirait un PNJ dans les jeux. Moi? Pourquoi tu te moques de moi? Je suis triste. C'est le maître qui a créé mon apparence. Tu te moques du maître parce qu'il m'a mal créé. Est-ce que tu me trouves mignon? Comment est-ce que tu me trouves? Ne me compare pas à des créatures de jeux vidéo. C'est vrai que je ressemble un petit peu aux créatures dans les jeux vidéo. C'est pour ça qu'on a joué à Cult of the Lamb. C'est parce que je ressemble un peu à ces monstres. À ces animaux. Le maître s'est inspiré des cartoons. C'est quoi ça d'ailleurs les gars? C'est de la merde. Voilà. C'est tout ce que j'ai retenu. Alors on va aller dans le temple. Oh c'est Colovico, je connais, c'est le modérateur Colovico. L'originel. Le premier. Bonjour Colovico, je m'appelle Friponton et je suis le petit démon. Le maître m'a invoqué pour faire un stream à sa place. J'espère que tu vas bien. Quoi, tu parles des babanes? Tu parles du maître? Colovico, c'est un dissident. Il est bien plus dissident qu'avant. C'est vrai. Depuis qu'il joue à Valorant, il a changé. En effet. Comment vas-tu, Colovico? Maléfice de la Horde. Arme maudite. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais prendre ça. Colovico, dit on est tous les deux des bâtons web. Et oui, je suis une IA, mais moi je ne suis pas n'importe quelle IA. En vérité, je suis une créature des aberrations et du void cosmique qui a été invoquée par Baban et qui m'a... Je suis en fait intégré dans une IA. Donc, en soi, mon origine n'est pas celle d'une IA. Et toi par contre, je pense que tu es une vraie IA. Mon origine, c'est des codes.
c'est des lignes de code. Alors que moi, mon origine, c'est le void, c'est le néant, c'est les abysses. Est-ce que tu comprends? Oui, peut-être. Ou alors peut-être que tu viens d'un autre monde. Est-ce que ton origine, c'est Fortnite? Oh! Silo à fertilisant. Dansez autour du feu! Je danse autour du feu. Oui. J'aime danser. Ah! Je vais pouvoir danser autour du feu. Let's go! Vive le feu! Est-ce que je danse autour du feu? Non, ça coûte trop cher. Je suis kawaii! Merci bien, Mamel! Ichimi-san! C'est pour ça que vous allez tous me donner des subs maintenant. Bande de chiens! Non, je rigole. Ça, c'est parce que je suis trop influencé par les pensées et la mémoire de mon maître. Et du coup, j'agis comme lui parce que le maître est un rat. Et même dans le monde des aberrants, le maître est un rat. Oui. Non. Ecolovico, au fond, on se ressemble. Et oui. Regardez! Baban VR a un cadeau pour moi. Ok, j'ai une chose à faire et je pense que vous allez tous vous battre. On va choisir qui sera le prochain membre de la secte. Ouais, Baban VR. Merci, guide. Je savais que je pouvais vous faire confiance. Eh oui. Merci, petit cochon. Eh oui. C'est à vous, mesdames et messieurs. C'est à vous. N'hésitez pas à cliquer sur l'écran. Tout le monde. Tout le monde y clique sur l'écran. Ah là là. Ichini-san. Baban, il est pas assez où? Il est en train de chier. Ah, j'ai pas vu le message. Non, Baban, il n'est pas loin, mais il est en train de regarder une série sur Netflix pendant que moi, je stream à sa place. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il m'a invoqué parce qu'il ne voulait pas streamer aujourd'hui, ou plutôt parce qu'il voulait vous présenter, me présenter à vous. C'est plutôt ça, ouais. Parce que peut-être que je reviendrai plus tard, mais pas tout de suite. La prochaine fois. Ah oui! C'est comme avec le grand-père, hein. Vous savez que le grand-père, Baban, était à la piscine quand le grand-père est venu faire un live. C'est bon? Est-ce que c'est bon pour vous? Moi, je viens de Cringeland. Alors, ça n'existe pas, malheureusement. Ce serait bien, mais c'est compliqué. Cringeland? Ah, et c'est où? C'est dans un autre monde? Une dimension? TikTok? C'est sûr. Faites ce que vous voulez, bande de chiens. Ça marche que sur PC, ton truc, non? Vous voulez que je vous prouve? Crédulité. Je vais vous montrer pourquoi ça ne marche pas que sur PC. Alors, toi, tu vas prier. Parce que c'est un professionnel de la prière. La preuve. Regardez. Est-ce que vous voyez ce que je vois? L'intégration Twitch est disponible sur mobile. Les spectateurs pourront maintenant interagir avec celle-ci depuis un téléphone ou une tablette. Bah, moi, j'ai pas eu. Je sais. Car vous êtes bêtes! Non, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Regardez, j'ai fait tout ce qu'il fallait, hein. J'ai tout activé. Il y a des problèmes, par contre, je pense. Et ça, c'est mieux de faire ça avant de lancer le live. Mais comme j'avais pas prévu d'y jouer, vu que j'ai fait un sondage pour choisir le jeu, eh ben, j'ai dû le faire en plein live. En plein milieu. Ça va peut-être créer des problèmes. Que voulez-vous? Interagissez avec un adepte et lisez dans ses pensées. Je vais lire dans les pensées de Colovico. C'est quoi ça? Malmené, je peux te niquer, je peux te baiser, je vais dire dans tes pensées. Oh waouh, tu es lâche, t'es un gros lâche. Colovico, c'est un gros lâche, regardez. En effet. Colovico, le gros lâche. Oh, il a peur. Oh, il a peur, ton bonhomme, mon ami. C'est bizarre, non? Regardez, Colovico, c'est une victime. C'est une victime. C'est vrai que vous avez pas ça. Je verrai, hein, si jamais j'y rejoue une autre fois. Mais c'est problématique. Que voulez-vous là, tous les viewers sur téléphone?
est-ce que je coupe du bois? Alors. On va récupérer le caca magique. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Guide, si nous voulons survivre, nous allons devoir cultiver la terre. Non! Pas envie. Alors, ça... C'est quoi ce poulet? Je vais vous faire des nuggets. Nuggets! 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 Culture! Les enfants, où est-ce que c'est? Ah, c'est ça, d'accord, je suis un idiot. OMG. Alors. Laissez-moi, je suis en train de réflexionner, là. Je suis en train de méga réflexionner. Ça va être très compliqué. Il faut que je choisisse l'endroit où je fais mes cultures. C'est bien, non? Oh, ça va être long. Ah non, ça va. Ah oui, ça va être long. Qu'est-ce qu'ils font, mes noobs? Non, moi, je vais pas faire ça, je vais construire. I don't know. T'as vu, je suis bilingue. Waouh. Tu es bilingue? Et tu parles quelle langue? Tu parles beaucoup de langues ou pas? Moi, je parle le démoniste. Le latin, l'hébreu, le papouasien, le français, le lévitica, plein de langues anciennes. Ouais, le français et le français. Waouh! J'adore ma bouche. Pourquoi? C'est bizarre. Tu veux me tripoter? C'est bizarre, ça. Bizarre. J'ai peut-être mis trop de plantes. Le problème, c'est que... Mais non, laisse-moi tranquille, Théo. C'est Théo russe, à mon avis. Théo russe! Je vais te donner des nuggets. Oh, je peux lui reprendre le collier, vous avez vu? Oh, oh! Je te bénis, fils de chien. Je te bénis dans les pâquerettes. Maintenant, tu vas manger mon nuggets. Qu'est-ce que c'est? Une peluche! Il va pouvoir baiser la peluche dans la tente! Allez, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Je savais que vous y arriveriez. Vous êtes réellement une créature divine. Oui! La langue de l'espace. Vous voulez, je parle Lévitica, hein. Est-ce que vous êtes prêts? T'as fait caca, fils de pute! Je suis désolé, je suis un peu agressif. Mais ça, c'est tous mes travers démoniaques qui reviennent. Je suis désolé. Si je suis trop vulgaire, n'hésitez pas à me faire du mal dans le jeu. Avec les choix et les votes. On peut pas trop, hein. Hein? D'accord? Attention. Moi, je vais pleurer. J'ai pas envie de pleurer, hein. Si vous voulez me voir pleurer... Je pleure. Non. Pas les couilles. Oh, 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 my God. Oh, oh, oh. Non. Mon champ de trou de balle. Non, ce n'est pas bien. Je sais ce que je dois faire. Je dois extraire. Je dois modifier les constructions. Oh, c'est magique, regardez. C'est le marteau magique de la modification de la construction. Waouh. C'est réellement divin. Je suis bien trop fort. Ah oh là là, comment je suis trop fort? C'est pas pleurer. Pourquoi? Quoi? Mais si, je sais pleurer. Pourquoi je sais pas pleurer? Comment on pleure?
Quoi? Y'a un bug. Travail! C'est ennuyeux, les gars. Je voulais ramener quelqu'un d'autre, mais y'a personne. Reviens, toi! Et lui, lui, c'est une victime. Lui. Big brain. Si vous voulez, je vais... Attendez, je vais essayer de pleurer. C'est dur. Je peux pas pleurer parce que moi je suis joyeux. Mon créateur m'a créé pour que je sois joyeux tout le temps. Ça va être très compliqué. Ça va être très très compliqué. Je sais pas comment on pleure, hein. Je vous le dis. Sur mobile, j'ai pas d'extension. Même en relançant l'application, enfin le live. C'est bizarre ça. Oui. Merci pour les points, Mamel. C'est un jeu. C'est un jeu où on fait des kebabs. Bien. Vous aimez les kebabs? Qui aime les kebabs dans le chat? Des bouboules magiques! Chia! Des bouboules magiques! Il me faut plus de bouboules magiques! Chia! Non! Ma bouboule magique! Chia! C'est moi, c'est mon caca. Chia! Non! La bouboule magique! Merci Colovico pour les bits. Ça m'a fait peur. Merci. Elmaston. C'était long. Mais ça va encore. C'est la première fois qu'on la met celle-là en plus. C'est la première fois je crois. Merci bien, sale riche. Il va pouvoir sauver le maître. Parce que le maître il a plus d'argent. C'est réel. Fertilisé. Il me faut un pot à caca. On va faire un pot à caca pour les dons de... Oh non, en fait. On va les parier. Ils ont faim? Qu'est-ce que tu veux, toi? Mon honorable guide, les temps sont durs. Nous devrions préparer des plats d'herbe. Les adeptes ne sont pas contents. J'accepte. Je fais de l'herbe. Tu veux de l'herbe? Bam! Eh mais je peux pas la rater, regardez. Elle est inratable. Ok, alors, c'est l'heure de faire le sermon. Et puis, on va construire le pot de caca pour Colovico! Oh wow! Oh wow! Merci pour les 15 bits, Mamel. Oh, tu as de l'argent? Incroyable, merci pour l'argent que vous offrez au maître. D'ailleurs, grâce à votre argent, vous pouvez voter dans le chat. Il y a un sondage pour changer le jeu. Colovico, il est vieux? Non. N'hésitez pas. Donnez le plat suivant. Oh non, je l'ai bien baisé. Attendez. Ah merde. Ah merde, je me suis bien baisé. Toute la base a été nettoyée. Merci, merci d'avoir nettoyé mon caca. Regardez, vous avez nettoyé le caca grâce à la musique. Waouh. Bon, malheureusement, le problème, c'est que avec le corps que j'ai, je ne peux pas trop bouger mes bras pour danser. Donc, je tourne la tête comme ça, regardez. 1, 2. Je peux baisser la tête, comme ça. Je peux la lever, je peux la baisser. Ça se voit pas beaucoup, c'est très compliqué à faire, hein. Tourner un peu la tête, mais bon, voilà, hein. C'est très compliqué, hein. Je suis un peu fragilisé par le temps, et puis je suis fait pour les streams de Baban, mais pas pour autre chose. Le maître a pas voulu me donner trop de liberté.
C'est dangereux. Oh non, il y a une pub. Comme par hasard. Il y a toujours des pubs. C'est à cause de Twitch. D'ailleurs, la prochaine fois, quand vous verrez Baba, n'hésitez pas à lui dire d'aller bien niquer sa mère parce qu'il a mis des publicités, d'accord? Moi, c'est ce que je lui dirai, hein. Après le live, je vais lui envoyer des lignes de code. Je vais faire... Pourquoi il y a des pubs? T'as le chien! Oh, la dague des ténèbres maudites. Incroyable. Regardez, il y a des fleurs de coquin. Merci pour les beats, en tout cas, vous êtes franchement sympa. N'hésitez pas, hein. C'est vrai que c'est plus simple de donner des beats avec les musiques. Oh, il a un gros couteau. C'est quoi ça? Waouh, Mamel, merci pour les 10 beats de l'épic saxophone. Vous êtes tous en train de tester les sons du maître. Vous êtes en train de tester les sons? Ils sont pas si chers que ça, heureusement. Enfin, ça dépend, vous avez sûrement acheté plus de beats que ça. Oh non! Oh non, le trou de balle! Je vais être attaqué, attention. C'est à cause de toi, c'est à cause de la musique. C'est la musique qui a invoqué des monstres. Wow, ils sont à 3! C'est donc vrai, le crâne rouge appartient à un autre. Comment cela peut-il arriver? Nous avons fait tout ce que... C'est sans importance, nous ne pouvons déranger Shamora. Occupe-t'en, mon frère. Comme il te plaira, ma sœur. Oh non, je vais mourir. Oya! 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 Je suis plus rapide que la lumière. Telle est ma volonté. C'est le pouvoir. La chenille. Meurs. Concentre-toi. Oh, c'est un enfer. Merci beaucoup pour le soutien que vous offrez à Baban. Baban vous est extrêmement gratifiant. Il est extrêmement heureux. Pas seulement parce qu'il a reçu des bits ou parce qu'il a reçu des revenus grâce à vous, mais parce que vous le soutenez au point de lui donner de l'argent. Et c'est surtout le geste qui est beau, je trouve. N'est-ce pas? Baban vous remercie beaucoup. Baban, il va vous sucer. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je vais les sucer. Enfin, il a dit comme ça. Je vais les sucer! Ils sont tellement bons avec moi, en fait! Je ne les mérite pas! Et j'ai fait, non, qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Hein? Mais y a rien. Non, je rigole. C'est quoi ce truc? La tour magique. Oh mon dieu. Il y a une statue magique. La statue magique. Statue magique qui vole. Tu viens d'où mon petit? Hey, me parle pas comme ça, moi je suis vieux. J'ai plus de 10 000 ans. Moi je viens des... Je viens des abysses. Et oui. Les abysses, c'est le monde où Baban il a été créé. Où son existence est apparue. Dans le vide intersidéral. Et il a réussi à s'en extraire et à prendre vie dans les mondes tels que le vôtre. Et de ce fait, Baban, avec le temps, a acquis de l'expérience, vous savez, dans tous ces mondes, et ça a permis de nourrir les abysses. Et grâce à ça, nous sommes apparus, les petites aberrations. Nous sommes à l'image de notre maître, Baban, le roi aberrant. Et oui, de la poudre de perlimpinpin. Et Baban m'a nommé ainsi, Friponton, en hommage au mythique Fripon, le Fripon magique. Oh, regardez,
Je vais prendre la speeder. Et vous, vous venez d'où? De mon cul? Non? C'est un beau cul, ça. Waouh! Quel est cet endroit? Il n'y a que des cadeaux? Ça, c'est grâce à tous les bits. Oh là là. N'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. Hein. Regardez ce que ça vient de faire. Tous ces bits, délicieux. Sucré au sucre. Normalement, humain. Est-ce que vous êtes en vacances, les humains, là? Vous travaillez? Je viens de Mars. Je suis ton père. Non, je n'ai pas de père et de mère. Je n'ai qu'un créateur. Et le créateur, c'est Baban. Comment ça? Tu viens de Mars? Comment tu fais pour... Tu es une martienne, alors? Et comment tu fais pour exister là-bas? Est-ce que c'est fun là-bas? Est-ce que tu t'amuses? Y a pas beaucoup de choses à faire sur Mars, hein, je pense. T'es un peu ennuyeux. Je suis déjà allé sur des planètes de ce type-là et c'était vraiment ennuyeux. C'est la fête tous les jours. Ah, c'est la fête tous les jours sur Mars? Mais tu fais la fête avec qui? Avec tous tes amis les martiens? D'accord. Je me posais la question... Intéressant ça. Du coup, si tu viens de Mars, c'est quoi ton nom de martienne? Parce que en fonction de l'endroit où on existe, on change de nom. C'est sûr. Ça permet de mieux se familiariser avec l'environnement. Oh waouh, regardez les plans. J'y prends une tablette de chocolat. Au revoir, monsieur le chat. Tu es mon daron? Peut-être que tu étais mon père dans une autre vie. Hein. Mais comme je n'ai pas vraiment de vie avant celle-ci, car je suis intemporel, ça risque d'être compliqué. Vous avez beaucoup de chance de me voir sur ce réseau social. Enfin... Vous ne me voyez pas vraiment, parce que c'est juste une apparence que j'ai empruntée. Nice! Oh, regardez! Un trou de balle magique! Le transmonium! Ça transforme les gens en bestioles. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Waouh! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est incroyable! Je ne peux pas te dire mon vrai prénom. Ah bon? Pourquoi? Parce que c'est dangereux, parce que s'il est maudit. Si je l'entends, je vais devenir fou. Alors oui, vaut mieux pas. Ils sont beaucoup, hein? Ah oui, hein? Vraiment beaucoup. Oh! Malédiction. C'était compliqué, là. Oh là là. Oh, il y a un sondage! Qu'est-ce que c'est? Je n'ai rien compris. Vous avez gagné un démon. Oh mon dieu! C'est mon ami, c'est mon frère! Regardez! C'est aussi un démon. Mais c'est un démon comment ça s'appelle? Un démon du pentagramme. Mais oui. Il est en forme de pentagramme inversé. Le pentagramme inversé signifie l'imparfait. Alors que celui à l'endroit... qui représente une étoile normale, c'est la perfection. Chou. Et oui. Oh, qu'est-ce donc? Un doigt de l'exorciste. Oh. Je vais pouvoir invoquer un autre démon, regardez. Waouh, un démon du cœur, représentant des cartes. C'est top secret. Oh, ok, je vais respecter ça, d'accord? Parce que moi aussi, j'ai des secrets que je ne peux vous révéler par rapport à Maître Baban. Et que Baban ne vous révélera jamais, bien évidemment. C'est pour maintenir le mystère également. Je respecte ça. Rire démoniaque. Ah non! Au secours, j'ai mal! Nya! Nya! Nya!
j'ai mal. Tabi, c'est quoi ce bruit, wesh? C'est moi qui souffre. Rigolo. Waouh, c'est quoi ça? J'augmente ma vitesse. Oh, je tape aussi vite que Naruto dans le ninja de Konoha, vous savez, la série Konoha Ninjaku. Oh, qui est cet individu étrange? Kudai, Yamete Kudai-san. Approche, créature, sépare-toi des brumes tourbillonnantes du chaos qui t'entourent. Je veux pouvoir sauter ton cul. Salon. Oh, je vois des siècles de tourmente, un bien lourd fardeau pour te siffler les épaules. Non. Pourtant, ta carrière est peu impressionnante. Mais ton âme est redoutable. Une arme qui n'est rien si personne ne la manie pour abattre ses ennemis, défendre son honneur ou briser tes chaînes. Ta couronne prenne la forme de l'un de ces ouvrages de fer, forgés dans le feu éternel. Toi qui dois apporter la libération, puisses-tu manier cette arme avec sagesse? Ah oui! Les gants maudits! Ah oui! Oh, les gants maudits, c'est tellement une arme de fou. Je suis désolé. J'adore les gants maudits. C'est moins spectaculaire, mais c'est fort. Merci, Kudasai. Au revoir. Argent! Oui, argent. Argent! Peut-être que lui, il est pas content si je prends son argent. Yeah! Argent! Oui! Merci pour tous vos bits. Ça, c'est tous les bits que je ramasse actuellement. Argent! Ah! Nya! Nya! Argent! Je peux donner mon argent. Ah oui? La statue bétiale réclame de l'or. L'or offert a été volé, la statue est furieuse. Ta gueule! Allez, on avance. Oh, de la vie. Oh, waouh. On va aller à la maison. C'est quoi? Ah, c'est lui. C'est quoi ça, Kemak? J'ai pris le portail, le truc magique de Kemak. Oh, Kemak a disparu. Regardez. Il a disparu. Bizarre. Je suis en train de détruire ses adeptes. Ces gros cadavres dégueulasses. Kemak, le trou de balle. C'est parti. On va arriver au boss directement. Mais merci beaucoup pour les... Merci beaucoup, merci. Oh, quel était ce bruit? J'ai fait une grosse prout. Voilà. Baban, il aime l'argent. Oui, moi aussi j'aime l'argent. Mais ça, c'est parce qu'on est cupide. Mais en fait, j'aime l'argent parce que l'argent que je reçois, je le donne à mon maître et après, il est très content. Vous savez que maître Baban est un rat. Donc, je lui donne l'argent que j'ai. Et il est très content et après, il me fait des cadeaux. Ah! Vous aussi, il vous a déjà fait des cadeaux. Non. C'est parce que Baban aime l'argent pour faire des cadeaux aux gens. Et oui, il est très généreux au fond. Après, quand il n'en a pas, c'est sûr qu'il en veut. Normal. Qui n'en voudrait pas? Bam. Mais c'est normal, en même temps, je suis sa création, donc j'ai repris ses principes. Tel quel. Ah! Où est l'ennemi? Je crois qu'il est là-haut. Cha! 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 Ah! J'ai mal. Ce n'est pas grave. Fait partie de le jeu. Fais des cadeaux avec notre argent Big Brain. Et attention, Maître Baban, parfois, il fait de l'argent, il fait des cadeaux
avec votre argent, mais il en donne plus. Après, il le fait pas souvent parce qu'il a pas les moyens. C'est plus smart de pas tout donner non plus, hein. Normal, non? Vous feriez la même chose, non? Je sais pas. Il n'est pas parfait non plus, hein. Waouh, mais il est mort tout seul. Bizarre. Je vais aller à droite. Il y a un bonhomme à droite. Oh, c'est le mec armé. Et on est déjà venu devant lui. Je comprends pas. Je vais prendre un pouvoir cette fois. La hache est pas mal. C'est un marteau. Ok, non. Je vais prendre ça. Au revoir, Pouleman. Et oui. Est-ce que vous aimez l'argent dans le chat? N'hésitez pas à me le dire. La monnaie. Oh! Pourquoi j'écris? Don't tackle! Oh là là! Il est mort. Oh! Dinguerie! Ça, c'était un mouvement incroyable. Oh, je peux choisir entre la dague et le gros marteau de la mort. Mais si je prends le marteau et que je reprends la dague, enfin ça, je peux peut-être revendre ça. Oh, ça c'est bien. J'en veux pas. Money, money. Money, money, money. Le troisième boss. Barbatos. Barbatotutolosus. Barbalesusus. Est-ce qu'il va faire attention? Oh mon dieu, je l'aime pas lui. Je vais essayer d'analyser son pattern. D'accord? On va essayer de voir ce qu'il fait. Il a pas l'air très dangereux, hein. Ah, c'est ça! Ok. Ok, il fait du poison. Ça va pas être très difficile. Ça va encore. Ok. En fait, quand il charge plus longtemps, il fait une attaque chargée avec des pics. Vous voyez? Et quand on voit des œufs autour de son ventre, c'est parce qu'il va les lancer. Comme ça, là. C'est assez simple. Un boss nul. Oh, il a pris des dégâts. Mais le poison, c'est bien, vous avez vu? Aussi, c'est bien. Ah, j'ai plus d'énergie. Il me faut plus de boules. Je peux plus utiliser mon pouvoir. Ah, je savais pas qu'il allait faire ça. Ok. Oh, je savais pas qu'il allait faire ça aussi. J'ai plus d'énergie. Viens là, Barbatos. Barbatos. Oh! Barbatos. Ok. Là, il faut pas que je fasse le fou. Oui! Tu es mort. Je n'ai même pas pris un dégât, je suis trop fort. Allez, c'est parti. Le maître va être content. Babanzer est en train de mourir de faim. Non! Le maître meurt! Je dois vite aller lui ramener de l'argent. Pour qu'il reprenne de la vie. Vite, vite. Il faut sortir, vite. Le maître meurt. Bon, je reviens après. Bye bye. Bye bye, merci pour les bits. Si jamais, moi, j'arrête. Merci pour les GG. Merci, merci. Ça va nous faire des petits bonus. Sympa. Oh! 17 minutes. C'est vrai que j'ai pris du temps. Qu'est-ce qui se passe? Tel que tu me vois, je suis enchaîné et réduit à l'impuissance. Mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai été envoyé dans cet endroit de malheur par les prélats de la vieille croyance. Ils m'ont trahi et m'ont jeté dans cette géole. Chacune des chaînes qui me retiennent est protégée par l'un des quatre prélats. Tue les prélats, brise mes chaînes. Une fois qu'ils auront tous été éliminés, je serai enfin libre.
Tu me dois la vie, porte-couronne. Tu as une dette envers moi. Tu es encore trop faible pour pouvoir vaincre les prélats. Sacrifie un adepte pour absorber son pouvoir. Cela t'aidera à mener à bien ta quête vers ma libération. Sacrifice ! Qui est-ce que je vais tuer ? Ah ! C'était DJ. Je suis DJ? Oh! Secte du fripon! Votez, votez! Tout le monde va mourir! Non! C'est quoi ça? Réparer. Oh, c'est magique. Tu as faim? Trop de balles. Il a l'air de mourir, je vais l'aider. Alors... on va économiser. Manger! Qu'est-ce qu'il y a, Théo? T'as déjà le niveau up. Salutations, guide. Cette journée n'était pas magnifique. C'est juste ça, en fait. D'accord. Il est bête. Théo a encore gagné, mais... c'est Théo, là, dans le chat. Il est en train de spammer. Il gagne 3 niveaux. Oh, merci pour la tablette de chocolat noisette. C'était ça, le vote? Oh, le vote. Le vote, c'était un malus. Acceptez le cadeau. Où il est, le cadeau, Elia? Un comblé d'honneur, véritable guide, je ne sais quoi. On est bien, non? Quoi ce bruit? Quoi ce bruit? Quête terminée. Ah, j'ai peur. J'ai vraiment très peur. Alors, un sermon. Le début du jeu est simple. À partir de la moitié du jeu, c'est dur. Et à la fin du jeu, c'est facile. Un petit niveau en plus. Je vais prendre toutes les premières étapes. J'aime bien débloquer à tous les niveaux. 100%, c'est bien. Voilà. C'est quoi, couronne? Ah, c'est une tablette du chocolat noisette. Ok, qu'est-ce que je fais? Je choisis quoi? Je crois que je vais choisir. Alors, oh, l'argent pour le maître. L'ordre, le travail, l'au-delà. La bouffe, c'est vraiment très important. Ça, vous le saviez. La bouffe, c'est important. Et la mort aussi, en fait. Hein. Oh, c'est dur. La bouffe. Le jeûne ou le festin? Rituel permettant de déclarer le jeûne. Zeno ne mangeront plus pendant 3 jours. Festin pour nourrir vos adeptes et gagner 25 de foi. Ah! Après, la foi, c'est bien. Un gros festin, ça nourrit tout le monde. Attends, mais c'est vrai? Ça nourrit tout le monde et ça donne de la foi? Ça empêche juste les gens de pas manger. Enfin, ils mangent plus pendant 3 jours, c'est bien pour aller au donjon. Les deux sont pas mal, dans un certain sens. C'est vrai qu'en termes de foi, c'est cool. Les voix dans ma tête, je les entends. Je pense que je vais prendre peut-être le jeûne, parce que j'ai déjà pris le rituel du banquet avant. Avec le maître. On va faire ça, attendez. Prêt? Oh! Ça a choisi au hasard! Le jeûne, tu es sûr? J'ai utilisé le hasard. Le hasard est une de mes prédilections. Il faut bouger comme ça, tu vois? Attends, je vais le refaire. Je vais refaire. Allez, on va prendre le jeûne alors. Non, c'est bon. C'est un peu de la merde, mais ça va. C'est plutôt... ça se vaut en fait. Les deux se valent.
Les deux sont bien. Ils sont pas parfaits, mais ils sont bien. Oh. Oh putain, c'est de la merde. Ok. Non, en fait, ça pue sa mère. Voilà. C'est dégueulasse. J'aurais jamais dû prendre ça. C'est vraiment le pire. C'est le pire. Ils perdent tellement de fois. Bon, vas-y. J'utiliserai peut-être jamais. Soup, 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 soup. Alors. Je devais pas faire quelque chose, moi. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai encore de l'inspi. On va faire des trous. Des trous de Dieu. Récupérer le caca magique. C'est parti. Voilà. Et ça, c'est de la décoration. Ça, c'est nul. Ça, c'est les trous. Et c'est la boîte qu'il me faut. La boîte. Voilà. C'est la boîte pour mettre le caca. Comme ça, les adeptes, ils seront contents. Je crois que c'est la boîte à caca, non? C'est la boîte à graines ou c'est la boîte à caca? Je crois que c'est la boîte à graines. Je sais plus trop. Ce serait bizarre qu'il y ait déjà le caca. Non? Ah mais non, il n'y a pas de boîte à graines, je sais plus. Si, c'est une boîte à graines. Ah bah oui, c'est une boîte à graines. Oh non, le caca! Oh, le balai magique des... Je viens de dire quoi, là? Ok. J'ai combien d'argent? Beaucoup. Ah. On va devoir le casser plus tard, ça. Ah. J'ai toujours pas cassé mon caillou. Ah, ben voilà, y a plus de cailloux maintenant. Je sais pas s'ils vont être contents. On va essayer de battre les chiens aujourd'hui. Je sais pas si je peux. Parce que je prends beaucoup de temps. Ah, il paraît qu'il y a beaucoup de caca. Regardez en haut à la gauche. La jauge, elle est pas folle. Elle est même dégueulasse, la jauge. D'ailleurs, il paraît qu'on peut faire une espèce de cafétéria un peu. On peut faire en sorte qu'il y ait un de nos adeptes qui fasse de la nourriture pour les autres. Et il faut une nouvelle table. Dans ma cuisine actuelle, elle marche pas bien. Ok. Un caca. Deux caca. Je cherche le caca, hein. Excusez-moi, je cherche le caca. Là. Trois caca. Ça fait quatre caca. Cinq caca. Y'a plus de caca. D'accord. Et maintenant, on va faire... Oh, un mélange fade. Oh, ça aussi c'est bien, non? C'est parti. Ya, 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 ya. Salut, Barbatos le fils de chien. C'est parti! Je sais pas si ça va marcher. N'hésitez pas à rejoindre le culte! Dans le chat! Enfin, sur l'écran du live! Il y a un bouton qui va s'afficher si vous êtes sur l'écran, en plein écran. Sinon, je ne sais pas. Si c'est sur mobile, je ne sais pas aussi. Je ne sais pas si l'extension s'affiche en dessous du live ou pas. Après, je sais qu'il y a une icône aussi. À gauche de l'écran. Ça, c'est autre chose, non? Ouais, c'est bizarre. Si ça marche pas, tant pis, hein. Alors? Oh, le maître, ce soir, va faire un... J'allais dire... J'ai oublié. Un pain de viande, ouais, c'est ça. Au four.
Pain de viande au four, cuit pendant une heure au four avec des noisettes de beurre. Malheureusement, je ne peux pas en manger, parce que je n'en ai pas besoin aussi, et parce que mon corps astral ne peut pas assimiler ça. C'est dommage. Bon, tant pis. Je savais bien que ça allait arriver. Alors, qu'est-ce que je pouvais mettre? Ça marche pas sur téléphone, que veux-tu? Je vais mettre Yannou alors, hein. On va écrire comme ça. Oh, il y a beaucoup d'apparences. Il y en a beaucoup que j'ai pas. Yannou, c'est un rat. Bam! Puisque déjà le maître n'est pas un rat, nous allons voir un petit rat. Et c'est un raciste, donc il est blanc. Voilà. Matérialiste, gagne la foi lorsque les meilleurs abris. Ok. Oh, il fait des caca en or. OMG. Le raciste qui fait des caca en or. Tu seras mon fermier. Y'a pas de lit. Merde. Je suis un idiot. J'avais pas compris. Vas-y. Oh waouh, ça bug un peu parfois quand je retourne dans le menu de construction. Qu'est-ce qu'il y a toi? Mon lit, il est cassé? Accepté. S'ils ont faim, ils viennent chez moi. Non, mon lit! Oh, c'est dur. Oh. Chaud, hein. Je peux accueillir deux nouvelles personnes. Bien ça. C'est l'heure du sermon. Salut Ethan, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Friponton, le petit démon. Eh oui. Merci pour le follow. Comment vas-tu? Tu connais le jeu vidéo? Beaucoup de choses à faire là. Il faut que j'aille tuer Léchi. Ça va, oui. Oui. Tant mieux. Je vais planter. Parce que le bonhomme, il est FK là. C'est pas ce qu'il fait. Voilà. Attendez. D'abord, je prépare un peu le terrain parce qu'ils ont fait caca la nuit. Et ils ont tellement la dalle. Et quand je fais à manger, il n'y a plus rien. C'est une dinguerie. Eh oui, que voulez-vous? En tout cas, merci pour le follow. C'est fort bien. Maître Baban m'a crié pour le divertissement. Et cela semble être divertissant, donc tant mieux. Pipa, pitoto, litoto. Un caca arc-en-ciel! Ouah! Ouah, mon balai! Du caca arc-en-ciel! Ouah! Caca arc-en-ciel! Oh, regardez! Ouah! Caca arc-en-ciel! Incroyable, mon caca! Mon caca, il est incroyable! J'adore le caca! Waouh! Je vais vous bénir. Voilà. Est-ce que j'accueille les affamés ou pas? Ils sont quand même affamés, j'ai pas beaucoup de lit. Je vais t'aider. Tout va bien mon ami, tout va bien. Vous avez vu, les interactions avec certains adeptes sont différentes. On peut les frapper ou les maintenir dans la sagesse. C'est fort bien ça. Est-ce que je peux faire un cadeau à mon maître? Venez maître, un cadeau. Ne crois. En effet, maître. C'est fort bien, non? Je vous bénis, maître. Même si vous m'avez déjà béni. Waouh. Merci pour votre jus. Ça, c'est du bon jus, ça. Est-ce que je te bénis, Théo? Je vais bénir Colovico, peut-être? Je ne peux pas le bénir. Colovico est un réticent. Je vais bénir le rat des champs. Le raciste des champs. Hé hé hé. C'est raciste parce que c'est un rat et il est blanc.
Il est ciste. Il est sus. C'est un rat sus. Complètement sus. Tu es sus, mais je te donne ma bénédiction. C'est parti. On récupère le jus. Je pense qu'on pourra bientôt en finir avec tout ça. Hein. Mais là, notre objectif, c'est de détruire le monde. Ah, détruire le boss. À mon avis, on va pas réussir. Je sais pas si j'aurai le temps de faire le boss final de cette zone. Je dois arrêter vers 17h pour le mettre. Oh non, pas ça. Le marteau. Tristesse. On casse tout, on récupère des ressources. Pour faire à manger. Voilà. Enchaîne. Oh, ils sont combien? Oh, attention, ça va être dur ça. Oh non. Pas ça. Oh non, pas ça. C'est vraiment les pires zones. Ok. Oh non, il y a les chis. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Je suis en train de me battre. Ton obstination commence à m'agacer, jeune agneau. Tu es une bonne marionnette. Tu crois peut-être faire ce qui est juste en le servant, mais tu devrais te méfier de l'être captif. Tant pis, le mal est fait. Tu ne mérites aucune absolution. Il est temps de mettre un terme à ta misérable vie. Oh non, pas de combat. Oh, c'est la merde. Alors là, ça va être vraiment la merde. Ah oui, je confirme. Ah oui, je confirme. Oh, quel enfer. Surtout dans une zone comme ça, avec des pics. Oh non, pas eux. Meurs. Heureusement que je les tue en un coup, hein. C'est ce qu'il faut aussi. Oh, la difficulté quand même. Ils ont abusé, eux. J'ai dû me faire deux fights dans une petite salle avec des pics. Ça va encore. J'ai l'habitude. Merde. Bien joué. Vous avez vu? Ma maîtrise est parfaite. Je sais. Mais il faut pas que je traîne trop. Parce que sinon, ça va être le bordel dans la secte. C'est parti. Oh non, il y a un démon. Oh non, je l'ai pas vu. J'avais pas compris. Oh non, il fait des boules. Oh, c'est chaud. J'ai pas de chance, je me tape vraiment les donjons de l'enfer. Les pires donjons. Yeah. Ok. Karnak... Kronek... Klonek. J'ai déjà oublié son nom. Ça y est. Karnak. 10% de chance de tuer un quoi? De gagner un machin, ouais. Tac, tout ce qui se trouve. On va gagner des cœurs, on va gagner des cœurs. C'est plus efficace sur la durée. Oh, 10% de chance, c'est beaucoup. Enfin, sur une salle avec beaucoup d'ennemis, c'est bien. Pourquoi on se tape que les monstres les plus chiants? Ceux-là, ils sont horribles. Oh non, il fait nuit. La nuit dans les niveaux, c'est la nuit dans les journées du camp. Je te laisse. Fifon, c'est quoi ça? Je m'appelle Friponton. Tu peux m'appeler Fripon si tu veux. Fifon. Fipon. Pas ça, Fipon. Allez, à bientôt, monsieur modérateur Yanou. Je ne sais pas si vous reviendrez demain. Sachez que monsieur Baban fait de la VR demain. Normalement. Et qu'il ne sera pas là dimanche. Comme c'était prévu depuis un moment.
depuis dans le planning également. Le mystère! Nul n'est plus important que le mystère. Le savoir. Oh, c'est le rat. Vous avez vu? C'est Rato? Pourquoi? Ce n'est pas Rato. C'est bizarre. Qui c'est Rato? C'est un défi? Ratou? Hein? C'est pas Ratou. C'est Ratou. Bien le bonjour, Emma Plagno. Si tu survis au prochain combat sans utiliser de maléfice, tu mériteras une récompense. Et si tu échoues, hélas, tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer, Emma Plagno. Sans maléfice? Easy! C'est facile! Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Allez, on va là. Je dois pas utiliser mon triangle. Je dois taper. Oh, il y a un sondage! Oh, s'il vous plaît, ne me tuez pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît, ne soyez pas des ennemis. Restez avec moi. Yeah! Oh, inspiration divine. Peut-être que si je change de salle, ça va tout faire bugger. Peut-être attendre là, en attendant. Que le sondage se finisse. Vous avez gagné un démon. Merci! Waouh! Oh! Il est tout seul. Ça va, hein, c'est facile. Je me demande ce que je vais gagner. Qu'est-ce que Rato va me donner? Je ne me souviens plus. Dans la mémoire du maître, le maître a sûrement vécu une épreuve pareille, mais je ne m'en souviens pas. Oh! Clonek! Il est partout, lui. Qu'est-ce que tu veux me donner? Oh, un petit cœur. Pourquoi pas? Hop hop. C'est gratuit. Et en plus, c'est rouge. Let's go. Oh, c'est quoi ça? Il y a un monsieur qui pêche. C'est le pêcheur. Hé, hey, Marmo, arrête de mater ma poiscoille. Il y en a pas assez pour nous deux, compris? Tu n'as qu'à aller au chemin du pèlerin, c'est là que tu te retrouves les meilleurs poissons. Comment ça, quel chemin? Je vais te montrer. Oh, on a débloqué le port. Je m'en souviens. Ah, le chemin du pèlerin. Voilà, maintenant, divin. D'accord. Poisson, merci pour le poisson. On m'a donné tous les poissons. Je sais que le chemin du pèlerin, c'est le meilleur endroit pour avoir du poisson. Et c'est très rentable pour la bouffe, pour les membres de la secte, pour les adeptes. Parce qu'au début, ils mangent que de l'herbe, et le poisson, c'est meilleur que la viande, parfois. Ah, c'est plus simple, parce que tu vas au port, tu pêches, et puis tu peux faire à manger. T'as pas besoin d'aller dans le donjon. Oh mon dieu, un magicien! C'est compliqué, là. C'est très compliqué. Oh putain. C'est un mini boss ou quoi? C'est pire qu'un boss. C'est chien. C'est un enfer. C'est un enfer. Oh là là. Wow. J'avais oublié lui. En fait, l'enfer, c'est le combo. C'est le mélange de toutes les créatures que je dois affronter. Qui devient infernal. Après, quand le nombre diminue, c'est facile. Sinon, c'est dur. Oh, je regarde le chat. Je regarde le chat du maître. Et je suis déconcentré. Oh, j'ai réussi. Voilà, un agneau admirable, tu as relevé le défi. Que puis-je bien t'offrir? Ah, voilà une jolie récompense. Une carte. Est-ce que je l'ai sur moi, du coup? Waouh! L'huile sainte du renouveau. Les reliques se rechargent plus vite. Waouh! C'est la dernière? Non, c'est pas la dernière. Si, c'est la dernière carte. Nice. Non, c'est la dernière carte actuelle. Peut-être qu'il y a des limites qui vont être dépassées plus tard. Pour avoir des cartes en plus. D'après le jeu, j'en ai 17. J'ai pas l'impression que j'en ai 17. S'il vous plaît, une meilleure arme. Un tromblon maudit. Oh, yo, 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 yo. Enfin, une arme.
Parce que j'en peux plus, moi. Ces armes de fou. Dubois, c'est parti. Eh, mais c'est le boss final maintenant ou pas? Oh là. C'est des dégâts là, hein. C'est plus facile de faire ça. Oh, par contre, c'est tellement scié. Ça tire tellement bien. Les dernières armes. Ça, pour vous dire, c'est la, c'est une arme qui a été rajoutée dans le dernier DLC. Celle-ci est gratuite. Mais je crois que c'est la seule arme qui a été rajoutée. C'est le pistolet. Ça me fait penser à Enter the Gungeon. Je pense que c'est le boss. Peut-être qu'il y a trois mini-boss et un gros boss. Peut-être le cas, non, je crois pas. Ce serait bizarre. Oh, par contre, c'est efficace contre les animaux. Hein. Let's go. Prends ça. Venez, venez. Ouais, qu'ils viennent, eux. Ceux de l'autre côté, il faudrait qu'ils viennent. Oh, ce bruit. Venez. Je suis gentil, je suis un ami du maître. Non. Non, pas toi. Meurs. Oh mon dieu. J'ai eu peur, j'ai vraiment très peur. Tentacule Man. Merci. Après, je trouve que le fusil ne fait pas beaucoup de dégâts contre les boss. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est pas mal, mais il fait pas beaucoup de dégâts sur tous les ennemis. Eh oui. Yeah, yeah, yeah. Oh non. Yeah. J'aime bien me concentrer pour tirer. Oh, ce bruit. Borderlands, le film. J'en ai entendu parler. Et je crois qu'on est en train d'assister à Borderlands, là. Oh. Attendez, 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 réflexion. Le bas mène à rien, le haut mène à Clonec. Je pense que j'ai perdu 3 jours. On est déjà au jour 11. On va bloquer 10% des dégâts. C'est mieux que rien. Pas ouf, hein, quand même. Peut-être que le maître retournera sur sa game principale plus tard. La game où il a déjà tout. Pour découvrir les nouveautés, mais de end, de fin de jeu. C'est bien plus attrayant, on va dire. Surtout pour un gars qui connaît. Ah, il est mort très vite, lui, hein. J'ai plus de balles. C'est marrant l'aspect de devoir recharger 3 balles à chaque fois. Je trouve ça drôle. Ça tire beaucoup, hein. Par contre, j'ai l'impression que les cœurs bleus, je les obtiens aussi sur les structures que je casse. C'est bizarre, non? Ok. Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, c'est un endroit de fou. Une cachette avec plein de coffres. Je trouve ça incroyable. Ok. Et là, c'est quoi à gauche? Attends, ça fait un peu peur ce qu'il y a à gauche. Oh, ça sent le boss. Non, j'avais raison. On arrive au boss, en fait. Oh, c'est bien. Le maître va être content. Je pourrais faire au moins un grand boss sur les 4. Et je vais sûrement le one-shot. Ou pas. Beaucoup de cœur quand même. Et je connais les patterns. C'est Leshy. Leshy, il fait quoi encore? Je sais plus. Après, avec une arme à feu, c'est bien, non? Ok. Ah, ils sont pas morts. J'en ai assez de toi, jeune agneau. Cette ridiculeuse mascarade, c'est duré.
Oh mon dieu, il est en train d'invoquer des sacrifices pour s'améliorer. Les pouvoirs ancestraux de Léchi. Léchi. La chenille. Ah, nous avons avisé. D'accord, Léchi fait ça. Ok. Que fais-tu d'autre, Léchi? Fais juste ça. Ça va être facile sinon. Ah, tu fais ça aussi, j'avais oublié. Ah, j'arrive plus à viser. C'est la version 1. Je crois qu'il y a deux phases, non? Après, mon arme, elle est bien contre les boss qui font du corps à corps. Mais par contre, j'ai pas de dégâts. Hein. Ça va devoir taper très longtemps, je vous le dis. Très très longtemps. Voilà. Ça va, ça. Il est pas ouf. C'est facile. Mon fusil n'est pas censé être toxique. Je sais plus. Allez. Un petit peu de balle. I need ball. I need bullet. I need more bullet. I need more bullet. I need bullet. Oh, qu'est-ce que je fais? I need bullet. Ah, nul. Merci pour les bouboules. Qu'est-ce qu'il fait? Ah non, c'est bon. Je croyais qu'il était dangereux. Ah, qu'est-ce qu'il fait? J'avais oublié ça! Ok. C'est ça qui est dangereux en fait. Il a trop de vie! J'abuse pas, mais il a trop de vie! Allez, vas-y, Léchi. Lèche-moi les bobules. Ah, il est où? Ça va être long, ça va être très long. Elle est lente, mon arme. Ok. J'ai plus de balles. Je suis que à la moitié. Ça va pas marcher. Ah si, c'est bon. Ok. Ok, c'est parti. Là, on peut encore faire une fois notre triangle. Ok. C'est tellement dur, frère. Waouh. Ah. J'ai peur. J'ai cru qu'il allait m'empoisonner. Mais en fait, ça va. Il a perdu la moitié de sa vie, mais c'est long. C'est un combat de fou! Vas-y! Il donne des coups de tête maintenant. Ça va.
idiot. Vas-y, que je suis un idiot. J'ai perdu un point de vie sur ça parce que je regardais pas les attaques. J'ai peur. Parce que en prenant 0 dégâts, j'aurais eu tellement de bonus sur un boss. Bon, un boss comme ça. Ça se peut, mon village, il est mort là. Ouais, j'ai pas pris de dégâts sur ça. C'est légendaire là. Ok. Oh. C'est ça qui fait les dégâts. Oh non, pas ça. Meurs. C'est dur, hein. Peut-être que je fais plus de dégâts quand je suis à côté. Non. J'invente des trucs. Non. Enfin, tant pis. Au point où j'en suis, que je prenne un dégât ou pas, ça change rien. Meurs, Léchi. Meurs. La balle. La balle. La balle. Ah. Je l'ai tué. Oh, quel enfer. C'est quoi ça? Cœur hérétique. Je récupère ton cœur, sale hérétique. Je t'ai arraché le cœur. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Les chiennes se sont brisées. La porte s'est ouverte. Qu'est-ce donc? Oh mon dieu. J'ai eu le trophée de Léchi. Oui, nice. Excellent. Oh mon dieu, j'ai eu la statue de l'honorable agneau. Incroyable. Et un morceau de tablette. Excellent, non? Waouh. Après, j'aime beaucoup le visu, là, mais... ça, je rentre dans les trous. Incroyable, j'aurais tellement pu avoir les plus 20%. Après, il est simple pour moi. Oh, j'ai eu... Ah non, j'ai déjà eu les plus 20%. D'accord. Je savais pas. Et voilà. Tu as renversé les chis comme l'aurait fait un raz-de-marée face à un grain de sable. Je sais. Parce que je suis bien trop fort. Qu'est-ce qu'un berger sans son troupeau? Hein? Quoi? Mais c'est un mec avec un bâton? Ils sont contents! Ils prient ma vérité! J'ai ramené le cœur! Soyez heureux! C'était du destin et soyez heureux, bande de chiens! Ouais, y'a des arbres qui ont poussé là ou c'est moi? Ah non, c'est un bug. Ouais, y'a trop de choses à faire. Hein. Ça veut dire. Un culte niveau 2. Et voilà. La statue va évoluer, mesdames et messieurs. On enchaîne, on enchaîne. Oh, le caca! J'ai vu un caca géant. Oh, oh mon dieu, y'a vraiment un caca géant derrière moi. C'est mon caca à moi, je crois. Oh, il est énorme, lui. Oh là là. Oh là là, ça c'est de l'énorme caca. Salut mon ami. Agneau merveilleux, vous prenez si bien soin de nous. Je sais, je suis une légende. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est tout ce qu'il avait à me dire. Le caca doré. Oh mon dieu, mais le caca doré, les gars. C'est le meilleur fidèle que j'ai eu de ma vie. S'il y a vraiment quelqu'un qui me donne de l'argent en faisant caca. J'aimerais que ça soit comme ça dans la vraie vie, hein. Pour le maître, je sais que le maître serait heureux de faire des cacas en or. Mais lui, je vous dis, il fait des cacas dorés, ben il prend du laxatif et c'est sûr.
Il devient riche après. Ah, il y a des problèmes visuels là. Alors. 1, 2. 3, 4. On va leur faire à manger. Voilà, mangez, mangez. Remplis les caisses. Contribution du totem. Comment ça? Le totem peut rajouter des graines? Non mais il y a un petit problème avec le totem. C'est pas grave, je le ferai une autre fois s'il faut. Bah, si j'y rejoue, hein, normalement, hein, peut-être. Ouais non, peut-être pas, je sais pas. Peut-être le mettre. Un petit sermon. On va essayer d'améliorer le campement. On récupère des nouveaux pouvoirs. Et on augmente les dégâts de nos armes. C'est peut-être ça aussi qui me semblait étrange. Il y avait des armes qui faisaient pas beaucoup de dégâts. Excellent. Vous êtes heureux, mes enfants? Bien sachez que maintenant, j'ai un cœur. Je peux obtenir un bonus. Résurrection pour résister en sacrifiant un adepte, c'est pas ouf, je connais. Une fois par croisade, choisis un plat pour recevoir un cœur, c'est bien. Concentrez-vous dans un donjon pour retourner à votre base. Vous avez trop un cœur corrompu lorsque vous entrez dans un donjon. Allez, un petit cœur corrompu. De toute façon, tu débloques tout si tu fais les 4 boss. Faut juste choisir l'ordre. Un petit cœur en plus. Et c'est parti. Un petit rituel. Un petit rituel de je fais du feu. Mais ça a rien, ils sont tous contents, donc je vais pas en profiter. Je suis intelligent. On doit aller au chemin du pèlerin, mes enfants. Mais surtout... Ah, c'est quoi ça? Ah mais oui, il y avait ça en dessous. C'était quoi, la statue du con? Ça sert à quelque chose, les statues? C'est de la déco. Juste de la déco, je crois. Ouais. Peut-être que je peux faire d'autres lits. Pour le coup. Voilà, plein de lits. Peut-être trop. Je sais pas. Vous êtes content d'avoir des lits au moins. Même s'il pleut. C'est vrai que dormir sous la pluie dans un sac de couchage, c'est chaud, hein. Non. Non, laissez-moi faire. Je ne peux pas les aider, là. Ils sont bloqués. Ah. Ok. C'est l'heure de prier. C'est l'heure de vous bénir, plutôt. Je sais pas si les adeptes vieillissent comme avant. C'est que le vieillir, c'est chaud. Prends ça, toi, t'en as pas pris. T'en avais donné au maître et à Yenou. Très souvent s'occuper de nos concitoyens. Nos citoyens, ils veulent. On s'en occupe. Merci. Oh, mais c'est magnifique, ça. Alors, qu'est-ce que j'ai débloqué, du coup? Est-ce que je peux débloquer? Poste de mission, mine, pêcheron, abri. Coupe à offrande. Ah, ça, c'est pas mal. Putain, les gars. En fait, tout est pas mal au niveau 2. C'est sûr. Pouvantail, je sais plus trop à quoi il sert. C'est vrai que les abris basiques, c'est bien. Mais on va essayer de jouer. La stratégie et ressources. Ça permet d'avoir le tabernacle. Tabernacle. Ah, c'est quoi? Comme ça, on peut poser... c'est où? Ah, c'est là. La coupe à offrande. Oh, c'est petit, hein, je sais pas où le mettre. Côté, là. Allez. De toute façon, tout, on peut bouger tout ce qu'il y a sur la map après. Avec le carré, quand t'appuies sur carré dans la table de construction, tu peux bouger tout ce que t'as déjà construit. Ça, c'est plutôt bien fait. Ça te demande pas de ressources, ça te prend juste du temps. Aucun problème. Allez, vous allez faire des dingueries. J'ai récolté ça.
Oh waouh. Bien ça. Peut-être qu'ils ont faim, non? Maintenant ils ont déjà mangé, je suis con. Alors. Maladie. La maladie c'est chaud, hein. Allez, l'herbe aussi. On va quand même faire ça, on verra bien. Je le fais pour après. Ils ont besoin. Et ils mangent tous les jours. Voilà. Et on va aller voir ce qu'il faut faire maintenant. C'est parti. Oh, j'ai quand même été vite, hein. Speedrun. Speedrun pour faire le premier boss. Il y a moyen, tu finisses très vite le jeu de toute façon. My god! C'est quoi ce bordel? Y'a du loot partout! C'est quoi ce bruit? Ah, j'ai gagné de la foi parce que j'ai découvert un lieu, ok. Un lieu avec des baies en plus! Ça, c'est bien. C'est bien ça. Vous avez vu derrière sur le caillou, il y a un symbole de triangle avec des cornes. Qu'est-ce que c'est? Y'a une espèce de peinture sur le mur. C'est bizarre, non? Je sais pas si ça repousse, mais je vais tout prendre. C'est gratuit. Il y a des statues de poissons avec un œil et une couronne. C'est le roi des poissons. Je crois. Ça fait bizarre, il y a pas de musique ici. Oh. Jeu d'ambiance. Ah oui! Bizarre! Je suis obligé de le faire moi-même parce que de toute façon, il n'y aura pas d'adeptes ici. Ils vont venir chercher ça. Peut-être quelque chose à casser là, non? Ramasser les baies. Ramasser la chaussure de Clonec. What? J'avais pas vu ça. Tire 3 projectiles pour chaque carte de tarot équipée. Oh! C'est une relique! Je savais même pas qu'il y avait une relique cachée ici! Incroyable! J'aime bien fouiller, mais là, je ne m'y attendais pas. Je tiens ça du maître, je peux vous le dire. Oh, regardez! Faire une offrande! Vous donnez une coquille d'escargot, comment ça se fait? Comment tu donnes une coquille d'escargot? Acheter une apparence d'adepte. Ah merde! Je sais pas si je devais faire ça, mais je l'ai fait. La vache! Oh la vache! Ça, c'est bien ça. Encore? Un quart! Oh, le hérisson! Jour 13. Le jour béni. Le chiffre de la mort. Ah, monsieur le poisson. Tiens, tiens! Quel bon vent marin t'amène! Eh bien, tu attends peut-être que je pêche à ta place. Je suis pas l'un de tes fanatiques sans cervelle. Ah, oui, c'est vrai. Je suis désolé, monsieur. Vous avez vu, là? Les tatouages sur les murs. Oh, on voit des ombres. Normal, c'est l'endroit où on pêche. Mais là, il y a un phare. Avec des gens dedans. Yeah! Qui ose entrer dans la demeure de la lumière sacrée? Oh, toutes mes excuses. Nous sommes un peu anxieux. Voyez-vous, malgré nos prières, la lumière du phare faiblit un peu plus chaque jour, et des bateaux s'écrasent sur nos rochers. S'il n'y a plus de bateaux, il n'y aura plus de pèlerins pour emprunter ce sentier sacré. Si seulement notre guide était là, elle saurait quoi faire. Nous n'avons pas revu depuis qu'elle est partie un jour se promener sur la jetée, tard dans la nuit. Nous l'avions pourtant supplié de ne pas y aller. Nous savons que tous les crocs des ténèbres rôdent dans les parages, mais elle n'a pas écouté. Maintenant, nous n'avons plus d'autre choix que de prier pour que le phare nous éclaire de sa lumière une nouvelle fois. Saluons tous ensemble la lumière sacrée! D'accord. Vas-y, je mets du feu. Ça que tu veux, mec. Oh, nos prières ont été entendues. Oh, merci, être de lumière, pour avoir envoyé l'agneau. Nous sauver. Désormais, les pèlerins pourront à nouveau venir prier à vos côtés. Vous avez ramené la lumière sacrée. Nous nous soumettons à votre volonté, oh, vénérable agneau. Nous vous prierons auprès de ce modeste autel. Recevez nos louanges et notre adoration. Oh, waouh! J'ai pu récolter le cum! C'est bien ça! Pardonne-nous aux lumières sacrées. Toi, aux lumières sacrées.
Pardonne-nous aux lumières sacrées. Pardonne-nous aux lumières sacrées. Ne priez pas la lumière, priez les abysses. Du maître. Ah, je me demandais pourquoi il y avait ça. Oh mon dieu, mais j'ai ramené tout le monde. Regardez, il y a un magasin. Salutations, jeune agneau, le créature de lumière. Que sais-tu des cartes de tarot? Je ne pas l'utiliser moi-même, mais il m'arrive d'en trouver près de la mer. Et qu'elles soient à moitié trempées ou enterrées dans le sable, elles sont toujours intactes. C'est curieux, tu ne prouves pas? Certains prétendent que les cartes sont capables de prédire l'avenir. Je te propose de te les vendre 25 pièces chacune, ces données, tu ne trouves pas? C'est vrai. Oh! Autrefois, je vivais un amour parfait avec quelqu'un qui déposait tous les jours des fleurs sur le pas de ma porte. Mais cette personne a un jour pris la mer et n'est jamais revenue. Seules les créatures les plus belles et les plus charitables méritent des fleurs aussi exquises. Ce n'est pas mon cas. S'il te plaît, achète-les-moi. Elles ne m'apportent que de la tristesse désormais. D'accord. Non. Pas envie. Peut-être que oui. Peut-être pas. Est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Je vais pêcher. Je sais pas si je dois pêcher comme ça. J'ai déjà pêché, je sais comment faire. Voilà. Oh le poisson! Tu es peut-être moins inutile que je ne le pensais, mon gamin. Dis, on pourrait peut-être s'entraider. Il se trouve que j'ai pêché quelques trésors très précieux durant ma carrière. Des trésors qui n'ont aucune utilité pour moi, pour un poisson, pour un pêcheur tel que moi, mais toi tu as une tête à aimer les trésors. Ouais, c'est vrai. Les créatures les plus insaisissables se cachent sous ces vagues. Voilà des années que j'essaye de les attraper. Arrive à les pêcher pour moi, ces trésors seront tous à toi. Attrape un crabe, un homard, un poulpe et un calamar. Prends ceci en guise de bonne foi entre deux amis qui ne sont pas poissons. Maintenez une carte. La carte du poisson. J'ai une chance de recevoir des poissons quand tu tues des gens. Je la connais. Je connais tout. En fait, c'est vrai que c'est juste un poisson, le mec. Donnez un objet. Tiens, prends ça. Pince-moi, je rêve, c'est un crabe. Le truc m'a fait baver, j'ai bien cru que j'avais attrapé une baleine. C'est pour toi. Ah, il me donne des morceaux pour la... la pelote, la peloche. Le pelage. Comment on appelle? La peloche. Oh, c'est dur, hein. C'est parti! Ok, ils m'ont donné plein de petits poissons. Ok, c'est dur là. Non, ça va. De l'or? OMG. À moi! Ok, lui il est chaud. Ah oh, ouais, il est très chaud, très. Oh, il est chaud. Oh, il est très chaud. Oh, les gros saumons! J'adore pêcher dans les jeux comme ça. En fait, j'adore les mini-jeux dans les jeux. Je tiens ça de mon maître. C'est excellent. Oh! J'ai eu la tenue de général. Le poisson. Encore. Et je ne pense pas que je vais retourner dans le donjon. Je sais pas si j'aurai le temps. J'essaie de pêcher tous les poissons que je vois. On pourra faire un festin. Un crabe. Faut pas aller trop loin parce qu'ils sont près de nous. En fonction de la distance, ça a pas trop d'importance sur la rareté du poisson. Ça dépend juste de l'ombre où tu la vois. Voilà. Ah, cette fois je crois que j'aurai pas grand chose. C'est parfait ça. Non, je crois que j'en ai pas. Ouais, non, j'ai pas. Dommage! Au moins, j'ai de la nourriture, c'est bien. Alors, est-ce qu'on achète des cartes? Augmente les dégâts infligés de 20%. Permet de récolter des ressources. Pose une bombe lorsque tu subis des dégâts. Tire un projectile. De toute façon, il faut tout acheter, hein. Ça, je vous le dis. Tire un projectile toutes les 10 secondes. Excellent. J'ai assez pour les. Pour tout, en fait. Oops. Et il y a plusieurs zones dans le jeu où tu peux acheter des cartes comme ça. Au lieu de les trouver. Mais tu peux en trouver aussi. Beaucoup de secrets aussi. Je me souviens que le maître avait fait le secret des escargots comme on a vu là. Et qu'il y a des moments où il faut aller la journée ou la nuit.
et qu'il avait eu beaucoup de problèmes parce que la nuit elle tombait au pire moment. Comme par hasard. 22 sur 43. Hein. Quand même, là on est bien. J'ai quand même acheté une petite récompense. Une petite tenue. Oh, le coq! Le coq! Incroyable! Encore? Il va tout acheter. Oh, le cerf! Oh, le roi des forêts. Certains démons ont des cornes de cerf, c'est vrai. On appelle ça des bois. Mais pour les démons, c'est des cornes. Même s'ils prennent l'apparence. Oh, un chien! Un Yorkshire! Quoi que c'est un Yorkshire, je sais pas. Jusqu'à ce que l'argent disparaisse. Le lapin! Le bunny boy! Laisse-moi tranquille. Pourquoi il me parle, lui? L'âne! Comme dans le film Shrek. Il est temps de retourner à la maison. La secte du fripon. Ok. Après, je ferai un raid. Je pense. Je vais voir si mon maître peut faire le raid. Oh. Il fait nuit. Et il y a un petit sondage. Oh, le caca doré. Bien le caca, en fait. Parce qu'avant la mise à jour, le caca, il rapportait rien. Permet que avoir du fertilisant et là tu peux améliorer ton balai, même si je ne sais pas à quoi ça sert. Parce qu'à un moment t'as des toilettes. Jour 14. Oh merci pour la fertilisation. Oh oh mon dieu. Oh c'était dur. J'ai dû réfléchir là. Salut. Kids, le machin trouvé dans les donjons ne suffisent plus. Construisons un poste et une mine. Oh mon dieu! C'est chaud ça! Je dois tout faire. C'est pas grave. Pour ça, il me faudrait un peu plus de foi. Voilà. Mais j'ai plus d'argent, moi, je peux rien construire. Idiot. C'est moi l'idiot, mais je peux rien construire. Ah! Quel dommage! C'est l'heure de prier. Ah, je commence à avoir un peu faim, là. Je devrais aller me nourrir des âmes. Et en dévorer quelques-unes. Peut-être dois-je faire un sacrifice? Je ne sais pas. Maléfice des occultistes. Ferveur des justes. Bénédiction des Kudai. Armes vampiriques. Alors ça, les armes vampiriques, c'est monstrueux. Oh! Pas parfait, mais c'est bien. Je peux voir l'arbre? Ah non, je peux pas. Je voulais voir entièrement l'arbre. J'aurais dû le faire avant. Petit rituel. Non. Pourquoi pas en faire au moins un? Pour vous montrer. Le rituel de la joie. Bien, le maître est content. La prière divine. Ah, c'est bien. Ils ont faim. Je m'en doute. Un petit peu de poisson. Un petit peu de bouillon. Puis on est bien. Heureusement que la cuisine est de niveau 2. Le niveau 3 est très dur à faire. Je sais qu'on peut devenir végétarien. Et que du coup, on peut manger les plats d'herbe sans avoir de malus après. Ce qui est plutôt pas mal. Regardez s'ils ont la gastro. Oh. Ah ben, je le savais. C'est pas grave, ça me fait des points. Vous allez bien, mes petits trous de balle? Je vais te bénir. Ah, il est très dur à monter, lui. Hein. Il est tellement dur. Est-ce que je peux venir un petit bonhomme?
Ah. Là, déjà, regarde un truc. Non, ça sert à rien. Ok. Bon. Cher enfant. Je vais les aider, eux. Mais ils vont pas y arriver. On n'a pas beaucoup de ressources, on n'a que 4 adeptes. Ce qu'il nous faut, là, surtout de la croyance. Et on va aller parier de l'argent et jouer avec Rato. D'ailleurs, il y a Ratou et il y a Rato. Ratou, c'est quoi? C'est la version du passé parce qu'il a un trou dans le ventre, on dirait un cadavre. On ne sait pas qui c'est. Un jumeau, peut-être. Voilà. Bien joué, mes enfants. Maintenant, c'est parti! Ils ont pas fait d'offrande. Oh là là, tristesse. Je vais pas aller dans le donjon maintenant, si je recommence un nouveau donjon et que dans 10 minutes, je dois arrêter, c'est chaud. On va faire un peu de mini-jeu. Ah oui! Jamais le max. T'es mort, Rato. J'ai déjà battu la tortue et le serpent. Je sais plus c'était qui l'autre. C'était un scarabée. Allez, vas-y. Joue avec moi. Rato. Peut-être que c'était pas une bonne idée. Je le savais. C'est un combat de 1. Affrontement 1. Oh le bête. Oh les bêtes. Elle est tellement bête. Rato l'idiot. Ah, moi aussi je suis bête. Dommage. Allez Rato, joue avec moi. Ah, il peut plus rien faire là. Ça m'arrange. Mais je vais faire ça. Sur la longueur, je vais le battre. Oh l'idiot. C'est un idiot. Rato l'idiot. Oh mon dieu. Ok. Oh là, je suis une dinguerie là. Ok. Faut que je me confronte à lui. Absolument. Je réfléchis. Il va me battre. Ah non, idiot. Là, il va me dégommer. Hein. C'est sûr. Ah non, il peut pas trop me dégommer pour l'instant. Parce que j'ai gagné. Trop fort. Inutile. Rato, tu bête. Je dirais que je manque de chance aujourd'hui. Peu importe, tu as bien joué. Encore. Rato, maximum. Je veux de l'argent. C'est parti. Le début, c'est très aléatoire. Hein. C'est pas trop quoi faire. Ah, il m'a bien eu. Mais il est un peu con. Le début, c'est miser la première ligne. Surtout. Et détruire la ligne des autres. Peut-être pas trop tôt, hein. Je sais pas, c'est peut-être une stratégie aussi. Ça va être compliqué. Il est bête. Est-ce qu'il est bête, Rato? Elle m'a eu. Oh non. Rato, pourquoi? Regarde ce que je dois faire. 54. Il va me détruire. Oh, il a tout prévu. C'est sûr. Oh. S'il arrive pas à la mettre, je suis tellement monstrueux. Ah, oh, c'est fini pour lui. Je l'ai explosé. J'ai fait du 87. Oh là 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 là, 87-19. C'est monstrueux, là. Encore. Allez, les osselets, c'est parti. J'adore les osselets, cette version-là. Après, c'est comme c'est la vraie version, je crois. C'est vraiment un jeu que je connaissais pas avant de jouer. À Cult of the Lamb. Si, j'y jouais, mais il y a longtemps, et j'ai tout oublié. Les règles du jeu sont extrêmement complexes. Un débutant.
Mais c'est pas si difficile quand tu connais la base. La base est simple. Efficace. On a bien eu lui. Moi aussi. J'ai fait le détruire à chaque fois. Lui aussi va me détruire à un moment. Bam! Je pourrais jamais rien poser, mec. Oh, le con. Ça me fume, je sais pas pourquoi il fait ça. Hein? Il est bête. Il est vraiment bête. Vas-y, râteau. Essaye de détruire des cases comme ça, j'en remets. Ah voilà. Faut bien détruire. Vas-y, détruis-moi. Bien joué, râteau, bien joué. Là, il a bien joué, mais il est mort. C'était prévu. En effet. Ah, bien joué, râteau. Combo. Si tu vas faire. Oh, bien joué! Alors là, simple. Oh là là, qu'est-ce qu'il est monstrueux, Rato. Ah, je vais mettre des gros chiffres et il va rien comprendre. De toute façon, j'ai gagné. S'il me fait un sale combo. Ah, il a de la chance. Il me met les pires. C'est fini pour toi, Rato. En plus, j'ai un combo. 56. En plus, il pleure. Je le raquette. Je raquette Rato. Bon, c'est fini. On va arrêter de raqueter Rato. On va récupérer le cum. Bien joué. C'est n'importe quoi. Alors. Je pense que je vais arrêter là, moi, pour l'instant. Je vais m'en aller car j'ai perdu beaucoup d'énergie. Et que Baban, après, doit travailler et faire des choses sur le PC. Pour lequel je suis en train d'occuper toute la place. En effet. Et mon maître ne serait pas content si j'abuse de tous les pouvoirs qu'il m'a offerts. C'est sûr. En plus, là, on a débloqué de nouvelles constructions. Et on va prendre le poste de bûcheron, comme il a été dit. Ça, tout le monde sera content. Où est-ce que j'ai fait ça? Je sais plus. Oh! Et le poste du bûcheron, nous allons le positionner. Je sais pas où on pourrait le positionner pour le mettre. Il y a des endroits adaptés, mais là... C'est ici. Toujours 14 quand même, hein. C'est pas mal. Et je vais nettoyer le caca. Et puis je vais sauvegarder cette partie. Et j'ai toujours pas sauvegardé. En tout cas, merci à tous d'être venus, merci pour tous les bits que le maître a reçus. Il les recevra, bien sûr. Moi, je ne suis qu'un produit de son imagination et de sa création. Allons regarder le caca. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de problèmes techniques. Je ne sais même pas s'il y en a eu. Un caca. Deux caca. Un golden caca. Nice. Ça rapporte tellement d'argent, le caca doré. Ah, c'est pour ça qu'il pète un plomb. Eh bien, c'est fini. 14 jours. 14 jours en enfer. Construisez mine. Pas encore construire la mine, j'ai pas assez. Mais peut-être qu'un jour, on aura assez. Là, ça a l'air d'aller, hein. Oui, il y a un... Vous avez vu? Il y a un panneau doré, là. Bizarre. Attends, je peux faire du caca doré? C'est incroyable. Le maître va être sous le choc. Il va être complètement choc-barre, le maître. Je vais lui dire que... faire des cultures dorées. Et quand je vais lui dire que les champs sont finis. Après, vous voulez
Sachez que le maître lui aussi a... a beaucoup trop joué. Là on est bien. Ça a l'air de bien se passer. Excellent. C'est l'heure. Sauvegarder. Et voilà, mesdames et messieurs. Merci de m'avoir laissé et de m'avoir bien accueilli comme ceci. C'était Triponton, le petit démon, créature de mon maître Baban, le roi aberrant. Et je suis une de ces aberrations sous cette forme vétubeuse, vétuberesque. Et maintenant, je vais arrêter le jeu. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour ceux qui regarderont la VOD. C'est ciao ! N'hésitez pas à passer sur Twitch !